Mesdames et messieurs, on va démarrer notre conférence débat. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence et votre participation. J'aurai le plaisir de modérer et de m'incruster un peu en tant qu'intervenant durant cette conférence débat. Mais avant tout, je voudrais tout d'abord saluer et remercier Monsieur le ministre, Monsieur Mohamed Abdeljlil, ministre du Transport et de la Logistique, Monsieur Abdelatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques, sociales de l'Université Aïn-Chok de Hassan II, Monsieur Mohamed Brada, président du Centre et de la Fondation universitaire LINCS, Monsieur Karim Chir, président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales GIMAS, et vice-président de la commission capital humain de la CGEM, M. Qasem Tej, également professeur, chercheur à l'Université Hassan II, académicien, qui vont participer à ce panel. Je voudrais également remercier la cheville ouvrière de cet événement, Sibou Nani, pour tous les efforts qu'il a faits. J'ai commencé par le remerciement, parce que je ne voulais pas les oublier quand même, c'est important de remercier les organisateurs. Je voudrais remercier également le beau panel que j'ai devant moi, président d'associations professionnelles, président, directeur général de grands groupes marocains opérant dans le secteur du transport et de la logistique, représentants de ministères et d'établissements publics. À vous tous, merci de nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on vous invite à une conférence débat qui aura pour thème les enjeux et défis du secteur du transport et de la logistique. Je ne saurais commencer avant d'introduire un peu Monsieur le ministre. Je sais que vous le connaissez déjà, ce n'est pas une personne anodine, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur sa personne. Alors, Monsieur Mohamed Abdeljlil, lauréat de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, a été nommé le 7 octobre 2021 par Sa Majesté le Roi à la tête du ministère du Transport et de la Logistique, un ministère économique, social et environnemental, puisque sur le plan économique, il pèse quand même 5% du PIB. Sur le plan social, il emploie d'une manière directe ou indirecte à peu près 1 million d'emplois. Sur le plan environnemental, le transport et la logistique représentent 35% des émissions de CO2 de notre pays. Donc, c'est un ministère qui a son poids et qui est multidimensionnel. Alors, Monsieur le ministre, le ministère du Transport et de la Logistique, c'est également le ministère des mers, des airs et de la terre. Et à ce titre, il gère toutes nos transports et toute notre logistique. Monsieur le ministre n'est pas un inconnu du ministère, puisqu'il y a fait ses preuves. Il a passé une partie de sa carrière, et on le dit, il a été parmi les artisans, parmi les architectes de beaucoup de grandes réformes qu'a connu le secteur du transport et de la logistique au Maroc. C'est à ce titre qu'il a été d'ailleurs, pas uniquement l'architecte, mais qu'il en a opérationnalisé même une, puisqu'il a été pendant 15 ans à la tête de Marsa Maroc, qui est née de la réforme portuaire en 2015. Une réforme qui a été très aboutie, puisque aujourd'hui, Marsa Maroc est l'un des fleurons des établissements publics nationaux. Alors, je donne la parole à Monsieur le ministre, pour nous parler un peu dans sa nouvelle fonction, des enjeux et défis du secteur du transport et de la logistique. Je sais qu'ils sont beaucoup, et je crois, avant de donner la parole à M. le ministre, je donnerai la parole à M. Abdelatif Komat, doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales, juridiques, économiques et sociales, pour un mot d'introduction, et merci à l'assistance. Merci, c'est Fakhir. En fait, il ne s'agit pas d'un mot d'introduction, mais d'un mot de bienvenue. De bienvenue parce que l'introduction, vous l'avez faite, et bien évidemment, il y a d'autres personnes qui vont
modérer et intervenir, surtout pour souhaiter la bienvenue, Monsieur le ministre, au nom du président de la Fondation Linx, c'est Mohamed Barada, et au mon nom personnel, en tant que doyen de la faculté, toutes les composantes dans notre université, dans notre faculté. Donc c'est un plaisir, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans la continuité des débats que nous avons lancés depuis quelques temps. Et bien évidemment, il s'agit d'un sujet de très grande importance, transport et de la logistique qui sont aujourd'hui au cœur de la dynamique économique d'une manière générale. Ils l'ont toujours été, mais bien évidemment, lorsqu'il s'agit de périodes de transition, de périodes où il y a des changements, sorties de crise également, il s'avère que tout d'abord, on tire les leçons un peu de ce que nous avons vécu et qui sont liés à ces dimensions, mais également le futur, parce que nous sommes en train d'opérationnaliser un nouveau modèle de développement. Et bien sûr, le volet transport, le volet logistique, ils sont de très grande importance. Donc c'est un honneur pour nous et un plaisir de vous recevoir pour nous éclairer sur les perspectives, sur votre vision, justement, pour faire de ces deux dimensions, parce qu'il s'agit de 10 dimensions, le transport et la logistique, des leviers pour ce tournant que prend notre pays dans le cadre de l'opérationnalisation de notre nouveau modèle de développement. Alors je voudrais également, en fait, dans la continuité de ce montage que nous faisons depuis quelques temps au niveau de la modération et du déroulement de ces rencontres, cette mixité entre le côté professionnel et le côté académique, remercier Sheikh Karim Cheikh, en fait, qui aujourd'hui représente ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc, qui sont l'aéronautique. Donc Sheikh Karim Cheikh, il est à la tête aussi bien du volet stratégique opérationnel, le pôle de la production aéronautique au Maroc, mais il est également à la tête du volet formation dans le cadre de l'Institut de formation au métier de l'aéronautique. Et donc, il est bien placé pour toucher aussi bien le volet, je dirais, opérationnel que le côté accompagnement et formation. Et bien sûr, le côté académique est représenté par Tej Qasem, qui est un des pionniers au niveau de la formation logistique, même au niveau national, depuis maintenant 25 ans. Minimum qui est à l'origine de différents programmes et qui a formé plusieurs générations aujourd'hui qui sont opérationnelles dans divers secteurs liés à la logistique de notre pays. Et puis, bien sûr, c'est Fakhir, expert et formateur dans le domaine de la logistique, qui intervient, mais également qui va modérer donc cette demi-journée. Et bien sûr, la bienvenue à nos étudiants, à nos professeurs, à nos invités, toutes les personnalités qui sont avec nous. Bien sûr, on réitère nos remerciements à l'organisation aussi bien. C'est Youssef Bouanani, c'est Khalid Ouazzani, toute l'équipe de la Fondation Linx pour l'effort, surtout que nous sommes sur une activité intense. Donc la semaine dernière, on avait Cizazou, et puis aujourd'hui, Monsieur le ministre, et puis nous avons d'autres conférences qui sont prévues les semaines prochaines. Donc il y a toute une dynamique, et c'est grâce à l'effort de toutes les composantes de notre faculté et de notre fondation. Voilà, merci. Je redonne la parole à ces Fakhir. Venir te mettre là et me faire passer les slides, comme ça je garde mon document papier, s'il te plaît. Petit effet Larsen. Ouais, ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. D'abord, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à la
la faculté et au centre Lynx pour cette invitation. Je voudrais également remercier Si Mohamed Brada et lui exprimer mon affection renouvelée. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises dans ma vie professionnelle et qui a toujours été d'un grand soutien. Alors, je suis venu cet après-midi au centre. Je voudrais remercier l'ensemble des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des experts et des professionnels qui ont bien voulu venir jusqu'ici pour participer à cette conférence débat. Pour ma part, l'idée de cette conférence débat, ou là, ce que j'en attends, c'est de ressortir plus riche que je n'y suis entré grâce aux interventions et aux idées qui pourront naître de cette discussion. Alors, pour installer, on va dire, le débat, j'ai choisi de faire une petite présentation. Je vais essayer d'aller relativement rapidement, mais pour ainsi dire, elle est en trois mouvements. Un premier mouvement, c'est rappeler ce que c'est que le secteur des transports au Maroc. Donc, on va donner un aperçu sur le secteur. Ensuite, parler des défis tels que nous les percevons au ministère. Et enfin, ouvrir sur les perspectives. Alors, le secteur. Le secteur, c'est environ un siècle de construction institutionnelle. Avant 1939, le ministère du Transport, ce n'était pas un ministère, c'était des directions au sein du ministère des Travaux publics. Ça a commencé en 1939 avec la création de l'Office national des transports, qui avait pour responsabilité d'organiser les transports et de les coordonner, aussi bien pour le fer que la route. Ensuite, Comanav a été créé en 1946. La RAM est née, si je ne m'abuse, en 1957. En 1963, l'ONCF a vu le jour. En 1983, le premier ministère des transports est né. En 1989, a été créé l'ONDA. En 2002, le transport a été fusionné avec l'équipement. Ensuite, en 2011, a été créée l'Agence marocaine de développement de la logistique. En 2020, est née l'Agence nationale de la sécurité routière. Et puis, à nouveau, en 2021, le transport et l'équipement ont été séparés. Je saisis cette occasion pour vous dire quelles sont les attributions de ce ministère. Tout à l'heure, M. le Farrel a dit, c'est le ministère de l'air, de la mer, de la terre et tout et tout. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le ministère des Transports est en effet responsable de tous les systèmes de transport et de toutes les infrastructures de transport, à l'exception de les infrastructures routières, qui sont de la responsabilité du ministère de l'Équipement, des infrastructures portuaires, qui sont également la responsabilité du ministère de l'Équipement, mais également à l'exception de tout ce qui est mobilité urbaine, qui est de la responsabilité des collectivités territoriales sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est important de savoir ce que c'est que le ministère du Transport et que, automatiquement, n'ayant pas la main sur tout, il est interconnecté avec d'autres administrations. Maintenant, au niveau du cadre législatif ou la réglementaire, donc il y a un cadre qui s'est construit depuis 1919, avec le code maritime. J'ai appelé ça en parallèle un cadre réglementaire vieillissant, parce que le code maritime marocain aujourd'hui, c'est toujours le même, c'est celui de 1919. Ensuite, il y a eu un dahir portant code de la route en 1953. L'aviation civile était encadrée par un décret. En 1963, le transport routier de marchandises et de personnes a été encadré par le dahir 63. Et puis, de 63 jusqu'à 2010, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un nouveau code en 2010 pour le code de la route, une loi organique relative aux communes et une loi organique sur les régions pour préciser les attributions ou les compétences en termes de transport qui sont données aux collectivités territoriales, et un code de l'aviation civile en 2016 qui est venu rajeunir le décret de l'aviation civile. Bien entendu, c'est un secteur aussi qui gère toutes les interconnexions internationales et de ce fait-là, il obéit à un certain nombre d'accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont également la dimension de la loi. Maintenant, c'est un secteur qui a connu de nombreuses réformes sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dès le début du siècle. Et je nommerai les principales. En 2003,
le transport routier de marchandises a été libéralisé. En 2004, le transport aérien a été libéralisé. En 2006, ce fut le tour du transport maritime de marchandises. Et puis en 2006, on a connu aussi la réforme portuaire. Et ces réformes-là, elles ont été menées en même temps que la politique d'accélération des grandes réalisations d'infrastructures de transport, qu'il s'agisse des autoroutes, des ports, des aéroports, du chemin de fer et des routes rurales. Alors, qu'est-ce qui caractérise aussi un peu ce secteur ? C'est que nous avons développé de plus en plus une capacité de planification de plus en plus élaborée. Et aujourd'hui, donc, le Maroc bénéficie d'un certain nombre de plans, un plan ambitieux de modernisation du réseau routier, avec en projet 7000 km de grands aménagements, 2000 km de voies express, des échangeurs, un schéma d'armature autoroutier que vous connaissez bien, qui fait 1800 km, mais qui doit être porté à 3000 à l'horizon 2030. Au niveau, par exemple, du secteur portuaire, on a une stratégie à l'horizon 2030, qui a des objectifs assez clairs et qui est organisée en pôles portuaires, non pas régionaux, mais géographiques. De la même manière, sur le rail, on dispose d'un plan rail 2040, qui est un plan très ambitieux et qui a pour vocation de couvrir l'ensemble du territoire. Pour la partie compétitivité logistique, c'est un sujet que nombreuses personnes connaissent bien. Il y a également un plan de déploiement de plateformes logistiques modernes sur tout le territoire, avec 3300 hectares à développer à l'horizon 2030. Alors, maintenant, si on veut regarder cela en termes d'investissement, on a investi environ 400 milliards de dirhams pendant les 20 dernières années, avec un patrimoine aujourd'hui qui est très intéressant, qui est important. Et puis, on a un plan, encore en 2035, quand on agrège les différentes stratégies sectorielles, qui pèse 500 milliards à horizon 2035. Il est réparti sur la partie routière à 175, sur le ferroviaire à 194, les ports, c'est 60, les aéroports, 25, et la logistique, c'est 33. Maintenant, il y a aussi autre chose qui est nouveau, c'est une nouvelle approche pour la mobilité urbaine. C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, avait été oublié. Et depuis une dizaine d'années, on a une stratégie pour le secteur des déplacements urbains qui s'est maintenant clarifiée, avec trois axes. La mise en place des autorités organisatrices du transport, la création d'une entité centrale pour formuler les politiques et veiller à leur application, et trouver une solution au mécanisme de financement. Il y a des premiers éléments qui ont été mis en place. Il y a le FART qui a été mis en place avec environ 1 milliard de dirhams par an. Et puis on le voit dans nos vies quotidiennes, puisqu'on commence à voir naître des projets tels que le tramway à Casablanca, une meilleure organisation de la mobilité urbaine par les bus, les lignes à haute densité. On voit très bien que c'est en train de changer, mais on se rend compte aussi à quel point on n'y est pas encore par rapport aux ambitions qu'on pourrait avoir. Ensuite, si on veut regarder les performances de notre secteur. Alors, d'abord, tous les efforts qui ont été faits, on les retrouve. On les retrouve dans un certain nombre de classements. Si on prend par exemple le maritime conteneurisé, c'est un projet qui est bien connu, c'est Tangemed qui est à l'origine de cette évolution. On était 84e mondiaux, aujourd'hui on est 16e. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes de la logistique maritime, mais ça veut dire qu'on a quand même une belle évolution. Et la preuve de cette évolution, c'est de regarder ce qui s'est passé autour de Tangemed. En fait, autour de Tangemed, depuis que Tangemed est là, le Maroc a réussi à créer environ 100 000 emplois qu'on peut attacher directement à Tangier Méditerranée et a réussi à attirer l'équivalent de 64 milliards de dirhams, d'investissement privé. Les éléments à côté donnent une idée aussi du transport maritime. C'est vrai que le transport maritime permet le déplacement de 3 millions de passagers. Ce n'est pas un nombre important, mais ce n'est pas négligeable non plus. Surtout quand on sait que plus de la moitié se fait sur un espace d'un mois environ dans l'année. Et en même temps, quand on regarde l'évolution de la marchandise manipulée au Maroc, on est passé de 56 millions de tonnes dans les ports à 192 en l'espace d'une quinzaine d'années. Au niveau des infrastructures ferroviaires,
si on regarde le Maroc dans son continent africain, on est classé premier en termes de qualité d'infra, et le transport ferroviaire déplace 38 millions de voyageurs en 2019 et a transporté 27 millions de tonnes de marchandises. Pareil pour les routes, on est quatrième en Afrique, et le transport routier public de voyageurs, même s'il n'est pas développé autant qu'on le souhaiterait, représente 35% des déplacements, pour 44% en véhicules particuliers et 15% pour les taxis. Sur l'aérien, le développement aussi est important. Mohamed Brada n'y est pas étranger, puisqu'il a eu le courage, en étant président directeur général de la Royal Air Maroc, d'accompagner une réforme qui, pour le moins, présentait quelques risques pour l'entreprise nationale. Tout de même, je pense que son choix a été le bon. La compagnie existe toujours et nous sommes passés de 7 millions de passagers en 2003 à 25 millions en 2019. Sur les infra-aéroportuaires, malgré le fait que l'aéroport Mohamed V ne soit pas encore au niveau des attentes des citoyens marocains, on a tout de même nos aéroports qui sont bien classés et qui ont d'ailleurs, à l'occasion de la pandémie, reçu au niveau de 15 aéroports la certification Airport Health Accreditation. Alors, en gros chiffres, ou là en macro, c'est 4% du PIB, 4, 5, hein, on peut débattre. C'est presque 10% du secteur tertiaire. C'est 38% de la consommation énergétique nationale, 7% de la main-d'œuvre urbaine et environ 15% des recettes fiscales de l'État. Voilà donc un tableau de ce que le secteur du transport est aujourd'hui au Maroc. Quels sont les défis de ce secteur ? Alors, en fait, les défis du secteur sont les mêmes finalement que dans tous les pays du monde. D'abord, le premier défi, c'est l'accessibilité. Est-ce qu'il y a du transport accessible pour les citoyens, pour leur mobilité ? Il y a également le défi de la sécurité, parce que dès qu'on parle déplacement et transport, on a des sujets de sécurité. Il y a également le défi de la qualité. Il y a le sujet de la dépendance énergétique. Il y a les externalités négatives du transport. Il y a les défis technologiques. Il y a aussi les sujets de vulnérabilité. Et enfin, il y a le sujet du financement, bien entendu, qui vient regrouper tout ça. Et j'ai essayé d'illustrer ça avec des exemples. Tout à l'heure, si Mohamed Brada a dit que, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou quelqu'un d'autre, a dit, non, c'était en réunion tout à l'heure, il a dit que le transport était partout. En fait, j'étais en Allemagne la semaine dernière et un des ministres a dit, en fait, le transport pour les sociétés, c'est le système sanguin pour les hommes. Les artères et le sang. Et je pense vraiment, je partage vraiment cette analogie. Alors, en prenant les exemples donc, des défis d'accessibilité, on peut peut-être regarder pour nous au Maroc un sujet qui n'est pas négligeable, c'est celui de la population rurale. Nous sommes un pays qui a encore environ, les chiffres que j'ai en tête, c'est entre 40 et 50% de ses citoyens qui vivent dans le monde rural. Et le taux d'accessibilité était de 54% en 2005. Il atteint aujourd'hui 78%. Il est disparate selon les régions. 78%, c'est un taux intéressant, mais ça veut dire que 22% de la population rurale n'a pas accès. Si c'est la moitié, ça veut dire que grosso modo, une personne sur 10 n'a pas accès au transport. Donc c'est un défi important si on considère le transport comme un droit pour le citoyen. On regarde ça du côté de la sécurité. Alors le transport, bien sûr, c'est indispensable, c'est un symbole de liberté, de mobilité, mais les drames humains qui sont occasionnés par les accidents de la route, peuvent être très importants. Convertis en PIB, on parle de 1,5%, je crois, à 2%, si je ne m'abuse. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu faire ? Début du siècle, des orientations très claires pour améliorer la situation, parce que entre 1996 et 2000, on était sur une pente linéaire d'augmentation de la mortalité sur nos routes.
des stratégies qui ont été mises en place, qui ont été découpées en stratégie d'urgence ou un plan d'urgence, on a réussi à casser cette croissance. C'est-à-dire qu'on avait ces 5% d'augmentation chaque année. La motorisation a continué à augmenter, mais le nombre de morts s'est stabilisé. On est aujourd'hui, selon les chiffres dont nous disposons, autour de 3500. Qu'est-ce qui a permis de faire ça quand on le regarde réellement? C'est le code de la route. Maintenant, on a eu la volonté d'inverser la tendance et de passer en courbe descendante sur la sécurité ou sur la mortalité routière. On a commencé avec une stratégie nouvelle en 2017. Elle avait une ambition importante, réduire de moitié les morts. En fait, on a à 5 ans d'application de cette stratégie, avec des résultats qui sont plutôt mitigés, puisque au bout de 5 ans, si on excepte l'année 2020, où en fait il n'y avait pas eu beaucoup de morts parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilité non plus, si on corrige cette année-là, on se rend compte qu'on a baissé de 5%, alors qu'on avait un objectif de 25%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde à nouveau sous un autre angle. Sur les sujets de qualité, de quoi on dispose aujourd'hui? On dispose d'une première étude, malheureusement elle n'a pas été renouvelée, elle a été faite en 2010, et elle permet d'avoir une idée de l'appréciation des différents secteurs de transport par le citoyen, qu'il s'agisse des trains, des cars, des grands taxis, des ports et des aéroports. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça d'une étude de satisfaction qui n'a pas été renouvelée? En valeur absolue, le citoyen marocain note son système de transport entre 2,5 et 3,5 sur 4, ce qui peut sembler convenable. Toutefois, je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est de renouveler cette étude et de rentrer dans une logique de progression. Le défi de la dépendance énergétique. Alors celui-là, il est d'actualité. Le post-carburant sur le transport routier, c'est 40% avant les augmentations. Aujourd'hui, on a bien vu que les augmentations du prix des hydrocarbures pouvaient conduire, si on n'intervenait pas, à l'arrêt de l'activité. Le gouvernement est intervenu pour que les professionnels puissent continuer à assurer le service, mais ça pose vraiment la question de cette dépendance énergétique du secteur. De la même manière, pour de nombreuses compagnies de transport aérien, aujourd'hui, le coût du carburant est devenu exorbitant, il est devenu plus élevé que le coût de la main-d'œuvre. Et puis, sur le transport maritime, c'est la même chose. Un autre des défis, c'est un défi aussi d'actualité, le réchauffement climatique, sont les externalités négatives. C'est un secteur qui est polluant. Et au Maroc, on estime à 23% des émissions directes, des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport, sans compter la problématique de la pollution de l'air dans les villes, qui, elles, n'ont pas une problématique de réchauffement climatique, mais de santé publique. Sur la vulnérabilité, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid-19. Voilà un secteur où, par exemple, pour le transport des personnes, une pandémie peut être vraiment mortelle. Parce qu'on a des structures comme la Royal Air Maroc, on a des structures comme l'ONDA, des structures comme la CTM, je vois Zubir Rahimini en face de moi, qui, tout simplement, ont vu leur activité s'arrêter pendant de nombreux mois. Donc il y a besoin aussi de penser la vulnérabilité et comment faire face à la vulnérabilité de ce secteur. Un autre défi, et non des moindres, c'est celui de l'évolution technologique. Alors là, il y a en fait deux choses. D'une part, il faut que l'on puisse accompagner les ruptures technologiques, et d'autre part, il faut qu'on trouve une solution pour que ces ruptures technologiques soient utilisées pour améliorer nos systèmes de transport. Alors, on va vers des transports intelligents qui vont améliorer la sûreté. Ces transports intelligents permettront aussi de mieux administrer le transport, et puis de gagner en efficacité. Et nous, au Maroc, on doit vraiment nous atteler à tirer profit des nouvelles technologies de l'information dans le domaine du transport et de la logistique en particulier. Enfin, il y a le sujet du financement. Celui-là, il est éternel. C'est un des principaux défis auxquels, la vérité, tous les pays font face pour mettre en place des systèmes de transport accessibles. Et le problème qu'on a, quand on n'investit pas dans des systèmes de transport classiques, c'est qu'on peut tomber dans une espèce de cercle vicieux qui est celui du recours accru à la voiture personnelle et au taxi. Et en réalité, en ayant l'impression, quand on fait le choix du véhicule individuel, que c'est le meilleur choix, on ne se rend pas compte
qu'on a à faire face à deux choses, à un coût de congestion qui est caché, qu'on ne voit pas, qui est celui de la perte de temps dans les transports, mais également au fait qu'on génère des besoins en infrastructures supplémentaires. Donc il faut revoir cette équation pour que on ne regarde plus l'infrastructure toute seule et les systèmes de transport à part, et qu'on les regarde ensemble pour essayer d'optimiser le système de transport globalement. Maintenant, au niveau des perspectives. Alors, je sais que je vais vous laisser sur votre faim, parce qu'au niveau des perspectives, moi, je suis au gouvernement depuis peu, et on y réfléchit depuis qu'on a commencé, mais on n'y voit pas encore suffisamment clair. On a arrêté, disons, quatre axes de travail. Un premier, c'est celui qui est lié à la mobilité des personnes. Et donc, l'objectif de cet axe, c'est de trouver des solutions pour fournir aux citoyens un transport inclusif et durable qui puisse répondre à ses attentes. Le deuxième axe qui est lié au transport de marchandises est en rapport avec le transport de marchandises comme vecteur de développement de la compétitivité économique et de la croissance économique et sociale de notre pays. Le troisième axe qui est celui de la logistique. La stratégie logistique est bien connue depuis maintenant 10 ans au Maroc. Le problème que nous vivons, c'est que nous n'arrivons pas à la déployer. Donc ce à quoi on va s'atteler, c'est d'essayer d'accélérer sa réalisation dans la partie plateforme logistique. Et le quatrième sera celui de l'élaboration d'un plan de transformation numérique du secteur et d'amélioration de sa gouvernance. Comment on compte y prendre ? Bien, la première, c'est d'essayer de refaire un diagnostic et puis de partager les enseignements en analysant l'existant et en regardant quelles sont les meilleures pratiques. L'objectif étant d'avoir un plan national de mobilité et de transport à l'horizon 2030 qui puisse être clair et partagé avec tous. Et de la même manière, nous devons travailler à inventer un modèle de gouvernance et une organisation qui nous permettent de mettre en œuvre notre politique. Alors, sur la partie compétitivité du secteur du transport de marchandises, on a essayé de travailler en nous concertant avec les professionnels. On a déjà pour mettre en place un certain nombre de mesures en faveur du secteur. Elles sont déjà identifiées, et donc on va travailler pour essayer d'améliorer les conditions d'exercice de la profession. Sur la partie logistique, comme je vous l'ai dit, le plan est déjà connu, et on va essayer de faire avancer les plateformes logistiques à Agadir, Fès, Midilt, Mrakech, Casablanca et Qnitra pour essayer d'accélérer leur réalisation, tout en maintenant la mise à niveau du secteur qui est en rapport avec les acteurs, la normalisation, le développement des compétences et l'optimisation des chaînes. Enfin, sur le sujet de la transformation digitale, il y a deux sujets en réalité, au moins. Il y a celui de la digitalisation des services, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le ministère des Transports, du fait de l'encadrement de la sécurité, était aussi un prestataire pour le citoyen. C'est nous qui délivrons les permis de conduire, c'est nous qui délivrons les cartes grises, etc. Donc on va essayer de digitaliser tous ces services pour que le citoyen puisse avoir accès à ces services dans les meilleures conditions le plus facilement. On doit également réfléchir à comment mettre en place un cadre réglementaire pour permettre les nouvelles mobilités, tout ce qui est mobilité partagée et transport intelligent. Et puis, on doit également travailler sur un sujet qui est d'actualité, qui est celui du big data. En fait, avant, pour avoir des informations, pour planifier un système de transport, il fallait faire des enquêtes. Et aujourd'hui, en réalité, on se rend compte d'une part que les enquêtes ne donnent plus forcément les informations dont on a besoin pour planifier, parce que le citoyen n'a plus envie de donner l'information. Il est devenu un peu avare vis-à-vis de l'administration. Il va aller faire des raccourcis, c'est ce qui est constaté, c'est un phénomène sociologique. Mais de la même manière, il y a de plus en plus de données qui existent. Elles sont à l'intérieur de nos smartphones. Dès que vous vous déplacez, en réalité, on peut savoir, sans savoir qui est la personne, mais on peut avoir une cartographie en se rapprochant des opérateurs de télécom, des déplacements de tous les citoyens au niveau du territoire. On peut également, en accédant les données des GAFA, avoir des informations plus précises. Et on doit donc développer un savoir-faire dans cette data, la data est disponible, c'est surtout dans le data mining l'analyse de ces données qu'on doit développer de la compétence. On a de grandes qualités chez nos jeunes en termes de
en puissance mathématique pour faire ces travaux-là. Ils sont recherchés un peu partout dans le monde. Il faudrait qu'on puisse profiter de cela également pour notre pays. Enfin, au niveau de la gouvernance, on se rend compte que il va falloir qu'on trouve une solution, parce que sans une gouvernance participative, ça va être difficile de mettre en musique une politique commune. Et donc cette gouvernance devra permettre la convergence, la coordination et la complémentarité entre les différents intervenants dans le secteur. Voilà, en conclusion, une fois que cette vision est clarifiée, on devra mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel au niveau territorial et aussi au niveau central pour pouvoir déployer la politique qu'on aura retenue. Merci pour votre attention. Très bien. Merci, Monsieur le ministre, pour cette overview complet et très enrichissant de l'actualité et de la réalité du secteur du transport et de la logistique au Maroc. Alors, avant de continuer ma modération, je voudrais simplement signaler que Monsieur Mohamed Talal, qui est vice-président de la CGM, président de la commission TPE-PME, vice-président de la Fédération du transport et de la logistique, et président du groupe La Voix Express, ne pourra pas malheureusement être parmi nous. Il a été retenu dans une activité à Marrakech où il représente le Maroc et la CGM à une grande conférence des unions postales africaines, comme quoi le Maroc aujourd'hui, à travers son secteur transport et logistique, est un hub logistique africain qui rayonne sur tout le continent. Alors j'ai noté, Monsieur le ministre, avec intérêt, que l'État a fait le nécessaire. Elle a investi dans des infrastructures de transport et de logistique. Quand même, 400 milliards ont été déjà investis, 500 milliards vont être investis, ce qui est important. Mais là, on peut se poser naturellement la question du rapport entre le CAPEX et l'OPEX. Ça veut dire qu'on a investi beaucoup dans l'infrastructure. Est-ce qu'on a investi suffisamment dans les autres, dans tout ce qui est mise à niveau des acteurs, capital humain et tout cela. Certains verront, c'est ma conviction, que la séparation du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique, de l'eau et en deux ministères est plutôt une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'on était, le transport et la logistique étaient noyés dans le ministère de l'équipement. Aujourd'hui, on revient à une séparation qui peut-être sera plus salutaire pour le secteur. Deuxième chose, je note, et vous l'avez dit, que les compétences du ministère du transport et de la logistique sont des compétences partagées avec d'autres ministères, aujourd'hui avec les régions, et que vous n'avez pas toujours la main sur toutes les réformes à faire. Alors, c'est une conférence débat. Je crois que vous avez planté le décor et je crois que nous avons également des intervenants de qualité. Je donne la parole à Si Karim Chir, président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, pour enrichir également cette vision. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui une démarche participative, c'est une réflexion commune. Et les professionnels sont là pour donner également leur avis. À vous la parole, c'est Karim Chir. Merci. Voilà, merci, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Fondation, mesdames et messieurs les professeurs. Monsieur le ministre, vous avez dit que ce genre de débat, on vient dire des choses, mais on vient surtout d'apprendre dans un cadre d'une intelligence collective. Vous venez de le confirmer à l'instant par les données que vous nous avez exposées. Moi, je suis ravi d'être là. À chaque fois qu'on m'invite dans une université ou dans une école, je participe avec plaisir. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet important, parce que vous savez, les industriels, quand ils commencent à calculer leur compétitivité, on commence par
Le coût de l'énergie, c'est trop cher. Le coût du foncier, c'est trop cher. Le coût de la main-d'œuvre, allez, on s'en sort pas trop mal. Et de plus en plus, on a le facteur compétitivité de la logistique. Il y a quelques années, là, juste avant le Covid, là, on avait au sein de la fédération initié une étude pour mesurer l'impact de la logistique sur nos prix de vente. Et ça représentait un poids assez important parce que nous utilisons du fret aérien pour les pièces de petite dimension ou de tonnage pas trop important. C'est du fret aérien. D'ailleurs, je tiens à saluer la présence de Sebrada ici, de la RAM, parce qu'on utilise beaucoup RAM Cargo. Et aujourd'hui, le fret aérien représente à peu près 50 millions de tonnes transportées par avion de par le monde. C'est un business qui représente 50 milliards de dollars. Au Maroc, on compare le fret aérien, on transporte, en 2019, on a transporté 96 000 tonnes. C'est les mêmes chiffres que M. le ministre a annoncé, donc on ne s'était pas concerté. Et ça ne représente que 2% du fret, de la logistique globale du Maroc. Sauf que la croissance de la logistique du fret aérien a progressé de 15% en 2019. Ça veut dire qu'on est en train de faire appel au fret aérien de plus en plus. On a identifié quelques secteurs qui participent fortement. Celui que je représente, qui est l'aéronautique, on exporte beaucoup par avion. Il y a un peu l'automobile pour la partie électronique, un peu textile et beaucoup l'industrie pharmaceutique. Donc c'est un transport aérien parce que vous savez, maintenant on vient, Monsieur le Ministre a rappelé, la décarbonation, etc., etc., l'avion vert. Nous on est intéressés parce qu'en fait on est consommateur de la logistique, mais on participe aussi à la fabrication des avions. Donc plus il y a d'avions à produire, mieux on se porte. Mais aujourd'hui, la pollution du fret aérien n'est que de 2,8% de la population globale de la planète. Donc c'est un secteur qui est peu polluant, mais nous avons à travailler sur la compétitivité. Ça reste un peu cher, mais nous avons, donc avec les ministères, avec l'État, nous avons à progresser sur nos prix pour qu'on puisse avoir... Moi, ce que je dis, quand vous avez un industriel qui fait ses business plans, il intègre tout. Aujourd'hui, le bas du tableau, on est encore bien, mais il ne faut pas qu'on alourdisse encore plus le modèle économique pour qu'on puisse rester compétitif. En deux mots, le secteur aéronautique au Maroc, c'est 140 entreprises, 20 000 emplois, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires entièrement à l'export, 40% d'intégration locale, c'est-à-dire que la valeur qui est faite, elle est faite localement. 40%, on était à 17% en 2014. Donc on est passé de 17% à 40% d'intégration locale. Et puis surtout, on se positionne sur des technologies qui sont aujourd'hui d'actualité. L'avion vert, décarbonation de nos procédés, et puis les énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, nos donneurs d'ordre qui sont des avionneurs, parce que finalement, on travaille pour Airbus et pour Boeing, ils font des audits énergie et décarbonation. Et on va jusqu'à la mesure de l'empreinte carbone sur le transport de nos marchandises qu'on exporte, mais également le transport de nos salariés. Monsieur le ministre a parlé du transport routier. Donc, vous savez, je vais vous donner un exemple qui m'a toujours choqué. On est tous concentrés à Nouassal, donc vous avez la majorité des secteurs, des entreprises sont à Nouassal. Les bus de transport de nos salariés partent le matin, ils sont pleins. Ils reviennent, ils sont vides. Ils reviennent en fin de journée, vides. Et ils redescendent pleins. On dit, là, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas continuer comme ça à gaspiller, à polluer, à gaspiller de l'énergie, enfin, du carburant. Donc on cherche... Voilà, on va les loger à Nouassal, mais on a essayé, ça n'a pas très très bien marché. Mais nous avons des solutions, je pense qu'il faudrait qu'on travaille, on avait demandé du transport en commun, par bus ou par train. Donc juste pour vous dire à quel point on est, quand on est dans un métier mondialisé comme l'aéronautique, on est suivi même sur le mode de transport de nos salariés, de transport.
Voilà, donc moi ce que je pour le fret aérien, aujourd'hui il y a trois je dirais fournisseurs importants. On a connu le développement de la logistique par des prestataires qui sont installés, mais les plus gros c'est Ram Cargo, DHL, un peu UPS pour les États-Unis, et je pense qu'il y a de la place pour d'autres partenaires, enfin pour d'autres opérateurs marocains pour qu'ils puissent intégrer le secteur de la logistique, parce que plus on est nombreux, plus on fait de compétitivité, et ça sera pour le bien à la fois du secteur de la logistique et pour les secteurs industriels. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Donc, c'est un sujet d'actualité, Monsieur le Ministre. Je pense que dans les objectifs, on aura certainement à nous revoir parce qu'on ne fait pas que des doléances. Faut pas, parce que les industriels, on est connus pour faire que des doléances à l'État, pour de la fiscalité, pour plein de choses. Mais nous avons également quelques pistes d'amélioration qui peuvent servir à la fois l'économie de notre pays, enfin notre industrie, l'économie de notre pays, et surtout l'emploi de nos jeunes. C'est ce qu'il y a de plus important dans nos objectifs, c'est qu'on puisse donner de la valeur ajoutée à notre économie et surtout à la création d'emplois pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir des emplois dignes et avoir des formations de qualité. Nous avons deux instituts, et j'ai failli l'oublier, nous avons deux instituts, on a l'Institut des métiers de l'aéronautique qui forme des techniciens pour des métiers de la production, et on en forme à peu près au départ quand on l'avait fait, c'est un partenariat public-privé, financé par l'État entièrement, mais piloté par les industriels. À l'origine, c'était 400, on visait 400 personnes par an, et on a vu une extension à 800. Aujourd'hui, on a fait une extension et on forme 2000 jeunes par an. 2000 jeunes avec un taux d'insertion qui est de 99%. Donc, ils travaillent quasiment tous dans le secteur. Pour les métiers du service dont fait partie de la logistique, nous avons conclu avec l'OFPPT, hein, l'Office de la formation professionnelle, une JV, donc à 50, 51% le JIMAS, 49% l'OFPPT, qui s'appelle l'Institut supérieur des métiers de l'aéronautique et de la logistique. On forme des jeunes sur la logistique aéroportuaire, et d'ailleurs qui trouvent du travail chez Ram Cargo ou chez les opérateurs. Et ça, c'est pour les métiers du service. Donc la formation, il y a un volet. L'incitation, nous, en tant qu'industriels, on aimerait bien avoir des incitations de l'État pour exporter encore plus, surtout quand on transporte, quand on exporte par fret aérien. La valeur moyenne d'une tonne par fret aérien, c'est 107 000 dollars. On envoie une tonne, c'est 1 million de dirhams de valeur commerciale. Donc ce sont des produits à forte valeur ajoutée qu'on évite d'envoyer par le fret routier et le fret maritime pour des raisons de risque sur les pièces que nous exportons. Voilà, merci. Désolé de vous avoir ennuyé avec ça. Merci, c'est Karim Cher. Je crois que vous nous ayez ennuyé. C'était très intéressant et on s'est délecté de vos propos. Alors, je voulais vous poser la question sur les établissements de formation, puisque vous êtes également vice-président de la commission Capital Humain. Je crois que c'est l'or vert du Maroc, c'est le pétrole vert du Maroc, son capital humain. Nous sommes en face d'étudiants. Quelle est la recommandation, la perspective que vous pouvez donner à ces étudiants qui sont aujourd'hui avec nous par rapport au métier du transport et de la logistique et par rapport aux choix qu'ils pourront faire éventuellement dans leur carrière future. Merci. Écoutez, la partie formation, je vais dire une banalité, la formation, c'est capital. Si la qualité de la formation n'est pas au rendez-vous, les jeunes ne trouveront pas d'emploi. Et aujourd'hui, notre perspective, nous, c'est quoi? C'est qu'on puisse échanger avec les milieux académiques, les universités, les écoles, etc., pour qu'on puisse être impliqué dans les modules de formation. Parce qu'on sait quel est notre besoin, comment on peut orienter. J'en ai discuté tout à l'heure avec avec le fossé qu'on dit toujours, un fossé entre l'université et les industriels, et que ça se creuse de plus en plus. C'est pas tout à fait vrai. Il s'agit juste d'une bonne volonté des uns et des autres pour qu'on puisse travailler ensemble. Et là, pourquoi l'aéronautique marche bien en matière d'emploi? Parce qu'on est impliqué dans la gestion et dans la gouvernance
dans nos instituts. Donc, si demain, il y a un master logistique, il y en a deux, il me semble qu'il y en a deux ici, nous sommes disposés à intervenir, à venir vous... Nous, on vous donne notre côté industriel. Après, c'est à vous, nous, l'académique, on n'y connaît rien. Et si vous avez un industriel qui vous dit, moi, je peux vous donner... Le module de formation accrédité, alors ils vous racontent des bêtises. Nous, on peut vous donner la vraie vie des jeunes qui travailleront dans ce secteur ou dans d'autres. Et puis, il y a, en matière de formation, il faut toujours lier la formation avec l'employabilité. Parce qu'il ne s'agit pas de former pour former, parce que, in fine, ça donne de la culture, mais ce n'est pas suffisant pour se nourrir. Donc, c'est pour ça qu'on lit la formation initiale, l'employabilité et la formation continue. Parce qu'on est dans un monde qui bouge énormément, les métiers changent. Donc, il faut qu'on ait aussi cette notion de formation continue ou l'apprentissage. Moi, je suis partisan de l'alternance. Je vais vous le dire clairement. Je suis un fervent défenseur de l'alternance. Ça commence à peine. Il y a quelques difficultés avec la loi. Mais je pense qu'on y arrivera, que ça soit de la formation par alternance ou par l'apprentissage, avec une application du privé assez importante. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses. On parle beaucoup d'ingénierie logistique pour améliorer. Vu à la sortie de cette pandémie, on a tous, je crois, industriels et professionnels, changé nos schémas logistiques. Et on a dû faire appel à une nouvelle ingénierie logistique. Je crois qu'une nouvelle ingénierie de formation est également souhaitable pour améliorer l'employabilité des jeunes et une meilleure implication du secteur privé. Je crois que puisqu'on parle de la relation entre le monde académique et le monde professionnel, je crois qu'on n'a pas meilleur représentant de cela, M. Kassem Tchej. C'est un académicien, mais qui a enseigné beaucoup de professionnels. Et je crois que c'est une formule assez spéciale. Alors, c'est Kassem Tchej, je ne vous demanderai pas les secrets de la formule, mais un peu nous donner comment vous voyez les choses et comment, durant toute votre expérience professionnelle, vous avez marié le côté académique et professionnel. Merci, c'est Kassem. Je vous remercie également. Bonsoir à tous. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de participer à cette conférence débat. Avec une assistance de qualité composée des connaisseurs dans nos domaines. Voilà donc, moi je vais me mettre du côté académique pour justement compléter les débats et en même temps donc engager les débats si vous voulez. Les enjeux du secteur du transport, même si j'aime pas bien cette expression de secteur, par rapport à l'évolution des notions dans nos domaines technologiques, dans le domaine plutôt logistique, on utilise plutôt soit la notion de filière, et justement ça reflète l'expression qui a été avancée par M. le ministre comme le transport, c'est un vaisseau sanguin, c'est une filière, c'est-à-dire toutes les composantes sont liées l'une aux autres depuis le début jusqu'à la fin, si vous voulez, ou alors la notion de chaîne de transport. Donc ça également, ça reflète l'idée donc, qui a été avancée tout à l'heure. Donc le thème est un peu vaste pour une conférence débat d'une demi-journée, sachant qu'on se retrouve avec plusieurs filières. Vous avez la filière de transport des marchandises, la filière de transport des voyageurs, la filière de transport du personnel, etc. La filière de transport public, tout à l'heure. Donc chaque filière nécessite plusieurs débats. Mais si on y réfléchit sous l'angle, justement, donc les enjeux, on retrouve qu'en général, même si les problèmes sont différents, on retrouve les mêmes enjeux. Ces enjeux, je les classe en 4 ou 5 importants. Le premier enjeu, c'est le coût. Le coût. Alors, bien entendu, pour pouvoir comprendre ces enjeux dans l'optique logistique,
et il faut le mettre en relation avec la compétitivité de l'entreprise. Sinon, ça, ça n'a aucun sens. Puisque en logistique, on raisonne toujours dans l'optique de client. Il faut satisfaire le client. Quand on transporte un voyageur, il doit être satisfait. Il arrive à destination dans un confort déterminé. Quand on transporte une marchandise, il faut la ramener à destination avec qu'au moins élevé, dans le délai demandé et avec une bonne qualité de service. Donc, on se retrouve dans la même logique et à mon avis, donc, toujours mettre en avant le client. C'est pour satisfaire les clients. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour satisfaire les clients. C'est dans ce sens que le coût ici, pour l'entreprise, c'est le prix. C'est le montant de fret qu'on va lui facturer. Et donc, c'est là. Et pour l'entreprise, c'est l'ensemble, c'est le coût de revient. Puisque l'entreprise de transport, il a deux clients en quelque sorte à satisfaire. Il y a le premier client, c'est le client final, soit le voyageur, soit l'entreprise. Et le deuxième client, c'est les actionnaires. Donc, si les coûts sont élevés et que la concurrence fait qu'on doit appliquer un montant pour être en ligne avec les concurrents, et si nos coûts de logistique sont élevés, eh ben, on va se retrouver avec une marge bénéficiaire peu élevée ou alors qu'elle n'existe pas. Et dans ce cas-là, donc, vous voyez, vous n'avez pas satisfait le client actionnaire en quelque sorte et qui va peut-être décider de vendre les actions, de se retirer de votre entreprise. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas vous développer. Donc, vous voyez un peu cette problématique de coût. C'est un enjeu très important puisque donc, ça freine nos entreprises pour être compétitives sur le marché national et international, et ça freine les transporteurs pour pouvoir avoir plus de marché et avoir plus de capitaux. Donc, le coût, un enjeu important dans le domaine du transport, quelle que soit la forme du transport. Et c'est là justement où l'État doit intervenir pour pouvoir chercher les moyens d'abaisser ses coûts en justement mettant à la disposition des opérateurs, des transporteurs, des terrains fonciers avec un coût moins élevé ou en construisant des routes qui permettent de raccourcir les trajets, etc. Donc l'État a un rôle à jouer dans ce sens pour pouvoir faire face à cet enjeu très important. Alors, bien entendu, l'enjeu en tant que tel sur le plan logistique, c'est qu'on vous dit un enjeu, ça, soit vous le prenez de côté positif et vous dites c'est celui qui va me permettre de gagner plus, soit vous le prenez dans le côté négatif et vous dites c'est celui qui va être à l'origine de la faillite de mon entreprise ou de diminution des bénéfices. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut prendre le côté enjeu, donc le coût en tant que enjeu. Deuxième enjeu, c'est la qualité de service. Parfois, on mesure avec un taux de service. C'est-à-dire que on peut avoir des coûts compétitifs, mais si la qualité de service n'est pas bonne, le marché va être pris par d'autres, en quelque sorte. Ça veut dire que vous ne serez pas concurrentiel sur le marché. Par conséquent, voilà encore un autre enjeu très important. C'est valable pour l'entreprise, toujours en relation avec la compétitivité de l'entreprise, des entreprises, et c'est valable également pour le transporteur. Pour le transporteur, le fait d'avoir une bonne qualité de service, ça lui permet d'avoir plus de clients, donc augmenter son chiffre d'affaires et peut-être aller dans d'autres pays. Et pour l'entreprise, donc la qualité de service signifie que son client sera satisfait et donc il va augmenter son chiffre d'affaires, d'achat, le montant d'achat, et donc on va augmenter également le nombre d'appels aux transporteurs pour transporter ces marchandises. Voilà encore justement un autre domaine où l'État doit intervenir pour créer les conditions de cette qualité de service pour les transporteurs, pour justement permettre à nos entreprises de satisfaire leurs clients. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième enjeu.
Le troisième enjeu, c'est le taux de risque, justement. Donc, Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de sécurité, en termes de sécurité. Donc, dans le domaine logistique, on parle en termes de taux de risque. Donc, dans tous les flux, on doit chercher justement à réduire ce taux de risque au minimum dans tous les domaines. Et donc, pour l'entreprise, justement, si on fait la relation avec l'entreprise, le taux de risque, ça veut dire que la marchandise va arriver en bon état, en quelque sorte, donc chez le client. Et pour le transporteur, ça veut dire que donc il va respecter ses délais et en même temps donc avoir une bonne qualité de service par rapport à ses clients qui sont les chargeurs ici dans le domaine de transport. Voilà. Donc, vous avez le taux de risque, le taux de service, et vous avez les coûts, et vous avez également un autre enjeu qui a été soulevé par M. le ministre concernant la disponibilité de l'offre. Également très importante en termes de, capacité des opérateurs nationaux pour pouvoir répondre aux demandes de transport, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Alors, cette disponibilité de l'offre, ça peut être en termes de nombre de tonnes capables d'être transportées en quelque sorte par la flotte, en quelque sorte en termes de capacité, soit on a peu de camions, on a peu de flotte pour répondre à toute la demande qui s'exprime. Et dans ce cas, c'est les conquérants qui vont prendre la place. D'autant plus que plus il y a de tonnes à transporter, plus il y a de la capacité est élevée, plus les coûts de transport diminuent. Et donc, vous voyez la relation avec l'autre élément, c'est ce qu'on appelle en logistique la massification des flux. Donc, on doit tendre vers cette massification qui permet justement aux transporteurs d'avoir des coûts moins élevés, mais en même temps, aux entreprises d'avoir des coûts de transport moins élevés et donc par la suite d'être compétitives sur le marché international. Donc, vous voyez toujours la relation entre ce côté entreprise et côté transporteur et la disponibilité de l'offre en tant qu'enjeu. Alors, par exemple, donc, on a quelques statistiques, si vous voulez, on parle par exemple de transporteurs routiers au Maroc et on constate qu'il y a 90% des tissus. Transport est composé des petites et moyennes entreprises, et donc 40% c'est des secteurs informels. Et donc vous voyez déjà, donc on se retrouve devant des petites sociétés et qui ne peuvent pas faire cette massification. Et en même temps, qui ne peuvent pas répondre aux appels d'offres concernant de grandes quantités. Alors donc, comment voulez-vous que cette société se développe, si vous voulez? Donc, on cherche tout le temps à lutter contre le secteur informel, mais le secteur informel, c'est un secteur qui répond aux besoins d'un environnement à un moment donné et qui s'adapte justement à cette évolution de l'environnement. Donc, il y a quelqu'un qui l'appelle pour prendre, je ne sais pas, 50 cartons. Donc, il va répondre parce qu'il n'a pas le choix. C'est des entreprises souvent individuelles. Je crois le chiffre, c'est 80% sont des entreprises individuelles. Donc, vous imaginez là deux petits camions. Donc, il va travailler sur cette base, faible capacité. Comment voulez-vous que ce secteur se développe dans le cadre justement d'un environnement où la massification joue un rôle important qui permet de réduire les coûts, etc., de mutualiser les moyens et ainsi de suite. Donc, ben justement, donc, en réfléchissant à cette question, une idée me venue peut-être qui va être débattue, pourquoi pas, tout ce secteur informel que l'on considère comme un obstacle parce que justement, il concurrence les 10%. Qui sont des entreprises structurées, premier élément. Deuxième élément, ils ne payent pas d'impôts, etc., etc. Donc, ils ne rentrent pas dans le circuit normal.
Donc, c'est tout à fait logique, s'ils se retrouvent dans ces conditions, si vous leur mettez des charges et des réglementations, etc., ils vont disparaître tout de suite. Donc, ce qu'il faut peut-être faire, c'est de les intégrer dans le système économique, mais pas en s'alignant sur les réglementations qui s'appliquent aux grandes entreprises. On ne pourra jamais donc, résoudre ce problème comme ça. Oui. Je crois que vous avez ouvert un grand débat. Vous avez suscité l'intérêt du ministre, qui n'a cessé de prendre note. Merci. Je vous demanderai de conclure brièvement, parce que je crois que Monsieur le ministre a des points à soulever également sur ce point. Et après, on donnera la parole à la salle pour échanger et interagir. Est-ce que je peux terminer mon intervention? C'est-à-dire le temps est limité, c'est ça? Très bien, très bien. Alors, donc, je vais terminer tout simplement. Donc, je vous dirai troisième élément. Alors, voilà. Donc, peut-être que donc, j'ai commencé l'idée, donc je vais quand même la dire, puisque on est là pour ça. Je propose à ce niveau-là, peut-être je vais lancer la proposition à discuter avec M. le ministre, c'est de prendre tous ces transporteurs de petites et moyennes entreprises, de les regrouper soit dans des coopératives, soit dans des groupements professionnels ou autres, et de leur donner des terrains, si vous voulez, un foncier qui leur permet de décoller en quelque sorte, et après, il y aura mutualisation des moyens, etc., dans le cadre d'une régionalisation. Chaque région doit disposer de sa structure donc, pour pouvoir absorber ce secteur informel en attendant, etc. Je termine avec un autre enjeu. L'enjeu, c'est ce qui concerne l'innovation. L'innovation en tant qu'enjeu très important dans le domaine de transport. Les entreprises doivent être dotées, ou du moins l'État doit encourager justement les entreprises à se doter, des structures qui permettent d'introduire de l'innovation en permanence dans leur gestion, dans leur organisation, pour pouvoir améliorer leur productivité. Parce que finalement, c'est ça l'origine de tous les problèmes. C'est donc une productivité faible, et donc ce qui entraîne une compétitivité moindre, ce qui entraîne des problèmes sur les entreprises. Et je vous remercie. Merci Sitia, je crois que vous avez soulevé de nombreux points. Je vais donner la parole à la salle. Vous allez me permettre uniquement de dire en une minute. Tout de suite, on va vous donner la parole parce qu'on m'a demandé également d'intervenir en tant qu'intervenant. Et je vous promets, ça prendra moins d'une minute. C'est une petite interpellation que je vais faire de ma part également au ministre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réformes durant les années 2000. On a réformé le secteur du transport maritime, aérien, routier et tout ça, avec plus ou moins de succès, mais avec beaucoup de dégâts. On avait vu des entreprises publiques comme ANAF dans le transport maritime, la SNTL dans le transport routier, XONT, la RAM dans le transport aérien. C'est des entreprises nationales qui ont porté le pavillon national, qui ont plus ou moins survécu à cela. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est vrai que l'idée de base, c'était que le marché était suffisamment concurrentiel dans le secteur du transport international de la logistique et que l'offre était suffisamment là pour qu'on puisse libéraliser ces secteurs. Aujourd'hui, après quand même 15 ans, on a vu des taux de fret dans le transport maritime qui ont frôlé des niveaux jamais qu'on aurait imaginé, 20 000 dollars. Un conteneur entre la Chine et Casablanca qui coûtait 2 500 dollars, il est aujourd'hui à 20 000 dollars. Le transport routier, et je vous donne une actualité tout de suite, j'ai un client, il vient de charger entre l'Europe et le Maroc à 12 000 euros, un seul voyage, dans le transport aérien, je crois qu'on l'a dit. Si Karim Cheikh l'a dit, on n'est pas encore compétitif. Je crois qu'il y a une réforme des établissements publics, Monsieur le Ministre.
qui est en cours par le ministère des Finances et où on parle du secteur du transport et de la logistique qui va être au cœur de ces réformes. On a parlé beaucoup de l'ANP, de Marsa-Maroc, de Tangemed. D'ailleurs, le ministre Ben Chaboul l'avait annoncé et Sa Majesté le Roi l'avait demandé dans un de ses discours après la période du Covid. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu générique. Dans ce cadre, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le ministre, de dépendance énergétique. Moi aussi, je voudrais rajouter, quid de la souveraineté logistique du pays ? Parce que demain, on n'est pas à l'abri d'un embargo, quelque chose comme ça. Je crois que vous l'avez dit, on est une presqu'île dans votre intervention il y a deux jours à l'ISEM. Le Maroc, qui est une presqu'île, qui veut se déployer en Afrique, avec quels moyens logistiques allons-nous nous déployer ? C'est une question assez large. Je sais qu'on n'aura peut-être pas le temps d'y répondre. Maintenant, je donnerai la parole au public. On va faire un petit tour de piste. On va prendre le ministre voudrait répondre tout de suite. On prend deux ou trois questions et monsieur le ministre y répond. Très bien, merci. Très bien, alors je vous demanderai de vous présenter et poser votre question qui soit très près. Merci, Othmane Chérif Adami, opérateur touristique et transport terrestre touristique. Monsieur le ministre, enfin, nous voilà aux questions-réponses et le débat actif, dynamique, comme vous l'appréciez de toujours. D'abord, félicitations, malgré quelques couacs ici et là, pour la subvention au profit du transport en général, pour essayer d'atténuer la surcharge du prix du carburant. Et bravo, parce que finalement, on a reçu les validations des différentes dispositions qui ont été prises. Notre fédération et son président est là, intervient avec beaucoup de facilité. Votre ministère est très ouvert, très réactif, et je voudrais le signaler. En même temps, j'ai quelques petites questions. Tout de suite, nous savons combien l'informel... surtout dans les villes, mais vous l'avez précisé, votre champ d'action n'est toujours pas dans les zones urbaines. Nous souffrons, nous, par rapport aux taxis, par rapport aux minibus de point à point, par rapport à la réglementation du ministère de l'Intérieur, par rapport à la réglementation du ministère du Transport et du Tourisme. Pardon. Et donc là, il y a des frictions, il y a des problèmes devant les grands hôtels. En même temps, personne ne veut régler ce problème. Il n'y a pas... une grande réunion au sommet entre l'intérieur, le transport, le tourisme, pour trouver une solution. Solution au profit, bien sûr, des visiteurs, des clients et des utilisateurs et des professionnels des différentes parties. En même temps, nous avons appris donc le cahier de charges, puisque nous sommes sous un cahier de charges. Bon, d'abord, nous avons une licence en tant que société qui n'est valable que 7 ans. Tous les 7 ans, il faut refaire les assemblées générales, redonner 3 tonnes de documents au ministère de l'Intérieur, les enquêtes sur le gérant, le deuxième gérant, puis ça repart à Rabat, puis ça repart au ministère du Tourisme, puis enfin au ministère du Transport. En général, à part la grande complication administrative, on est reconfirmé tous les 7 ans. Mais vous voyez, quand on prend un crédit sur 10 ans, le banquier il s'étonne à la date d'anniversaire si on pourrait ne pas être reconduit pour différentes raisons. Changement de loi, nouvelle... système. Après, nous avons le cahier de charges qui prévoyait, nous l'avions avec votre précédent ministre de l'ancien gouvernement, actualisé pour accepter beaucoup d'investisseurs. Et effectivement, de 500 entreprises, on est passé à plus de 1500 entreprises et plus de 10 000 véhicules, en acceptant que l'investissement prenne en compte les véhicules de moins de 3 ans. Donc, on va dire de l'occasion, mais avec visite technique. Dans votre nouveau cahier de charges, il est précisé 5 ans. Nous comprenons qu'il y a une ouverture post-Covid, certainement, pour faciliter le réinvestissement. Mais si ça dure plus de 5 ans, et si le prochain gouvernement
le continue encore 10 ans, on aura de la casse au niveau des accidents, du matériel, et on n'aura pas l'image de marque qu'on avait aujourd'hui. Dernière question. Royal Air Maroc. Est-ce qu'on va la privatiser enfin ? Est-ce que la gouvernance va changer enfin ? Parce que malheureusement, entre le fonds Hassan II et le gouvernement, qui sont propriétaires à 98%, le conseil d'administration n'arrive pas à dessiner avec le président de la RAM des programmes en rupture, des programmes de croissance. De 65 avions, on voulait aller à 120, on se retrouve à 50, avec plus de 1000 employés qui ont été dédommagés. Et on est loin de Ethiopian Airlines, on est loin de Turkish Airlines. Et pourtant, vous le savez aussi mieux que moi, qu'une grande compagnie aérienne, c'est une grande diplomatie économique. C'est un pouvoir pour notre pays. Et voilà, je me rêve de vous voir un jour peut-être attaquer ce débat. Merci. Je me présente donc Riyad Mkouar, enseignant universitaire. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Ministre, merci pour d'avoir accepté cette invitation, merci aussi pour votre intervention. C'est Karim Cheikh a abordé la question du transport aérien. Je me permettrai d'aborder la question du transport maritime. Si Mustapha Fakhir a parlé tout à l'heure, a précisé que le coût d'un conteneur 40 pieds de Chine vers Casablanca coûtait à peu près 2 000. Bon, que je lui apporte la précision, il coûtait à peu près entre 2 200 et 2 500 dollars. Et puis, depuis l'éclatement de la pandémie COVID-19, il a effectivement atteint entre 15 et 20 000 dollars US. Il s'agit donc d'un accroissement considérable du coût de transport maritime international, mais à l'échelle mondiale. Ça ne concerne pas uniquement le Maroc. Donc ça, c'est un premier point à préciser. Donc ça ne concerne pas uniquement le Maroc, et c'est là qu'intervient ma question concernant quid du pavillon national. Comanav a disparu. Je ne voudrais pas revenir sur les raisons explicatives de sa disparition. IMTC a disparu. Je ne voudrais pas, là encore, revenir sur les raisons de sa disparition. Ça ne fait pas l'objet du débat. Il est un fait aujourd'hui, c'est que le Maroc ne dispose pas d'un pavillon national et que, à côté de cela, CMA-CGM, Merckx, MSC, Arcas, donc CMA-CGM, MSC, Merckx et Arcas qui dessert, c'est la Turquie. Qui dessert et sert les intérêts turcs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a Arcas qui dessert la Turquie et sert les intérêts turcs. Donc, ces compagnies disposent d'un quasi-monopole. Et en conséquence, il y a une véritable quasi-entente sur les prix du transport. Je peux produire les chiffres. Oui, d'accord. Donc, je sais que vous n'avez pas la main là-dessus, mais il y a une quasi-entente sur les prix. C'est un véritable pool à ce niveau-là. Alors, ma question est la suivante. Bien entendu, il s'agit de s'adresser au Conseil de la concurrence, mais je ne sais pas si vous, Monsieur le ministre, avez la possibilité de réfléchir, et on peut réfléchir ensemble, avec, comme vous me l'avez proposé tout à l'heure, à la possibilité d'une politique de prix différenciée. Quand il s'agit d'un import, on peut appliquer à la limite un certain nombre, un certain type de prix, les prix du marché. J'y arrive. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et quand il s'agit d'export, on, là encore, appliquer une autre politique de prix.
Qui applique ces prix? Ce sont les compagnies de transport maritime international, bien entendu. Mais est-ce que l'État ne pourrait pas subventionner en particulier les entreprises exportatrices pour essayer de compenser la faiblesse de leur compétitivité et faire en sorte qu'elles puissent exporter plus? C'est une question que je pose. Deuxième question. Est-ce qu'il y a possibilité, Monsieur le ministre, de revoir à la baisse les prix, les frais de la mise à bord, qui sont très importants? Vous avez dit tout à l'heure que votre ministère n'a pas la main sur les infrastructures portuaires, mais n'empêche que les frais de mise à bord sont relativement exorbitants par rapport à ce qui existe en Tunisie, en Turquie et je dirais même en France. Voilà. Troisième question, dernière je pense, à la limite bon, j'irai assez vite, quel est le problème du visa? Le problème du visa. Actuellement, les transporteurs routiers souffrent énormément des difficultés d'obtention des visas. Et je pense que la SMEX a saisi hier ou avant-hier le gouvernement à ce sujet. Et je vous remercie. Merci. Alors, on va récolter. On va faire un peu d'alternance. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, vous venez ici, on prend une question et on revient. Le centre, il est là. Voilà devant nous. Ici. On va faire. Merci. Je m'appelle Kassem Bouteyib, je suis militant africain, ex-banquier à l'international. Monsieur le ministre, nos sincères félicitations pour la confiance judicieuse placée en vous. Monsieur le ministre, face à l'extraordinaire coopération africaine que le Maroc a initiée sur presque une dizaine de pays africains, face à l'expérience et l'expertise marocaine établie et reconnue internationalement, le secteur du transport terrestre reste néanmoins fragile face aux aléas sécuritaires, régionaux, structurels ou conjoncturels du bêtisier politique. Comment, dans une démarche, une alternative innovante, solidaire, participative, l'aérien et le maritime pourraient pallier à cette défaillance pour éviter des situations genre Guerguéret, frontière mauritanienne, qui nous prive de nos marchés africains, et genre Zoujebral, à la frontière algérienne, qui nous prive de nos marchés arabes. Merci, monsieur le ministre. Alors, Jawad Kardoudi, je suis merci. D'abord, je voudrais remercier professeur Tej et monsieur Cheikh pour l'enrichissement qu'ils ont apporté à l'ouverture. Je vais répondre rapidement à ces Fakhir sur la question de la souveraineté logistique du pays en rapport avec les entreprises et établissements publics. Pour dire d'abord que je pense que à aujourd'hui, le système logistique marocain a démontré que le système actuel assurait la souveraineté. Et je vais donner deux exemples ou trois. En pleine crise Covid, nous avons été le pays africain qui a été le mieux servi en vaccin, sous l'impulsion de Sa Majesté, avec les moyens de la Royal Air Maroc.
Et nous avons fait, enfin, quand vous regardiez la carte de la vaccination du monde, nous étions le seul pays vert du continent. La deuxième chose, vous avez dit Comana va disparu. Oui, Comana va disparu. Non, Comana va être privatisé. C'est différent. Comana va être vendu. L'État marocain a considéré à un moment donné que cette compagnie de transport maritime n'avait pas vocation à rester dans le portefeuille public. Et donc, l'a vendu. Qu'ensuite l'acheteur décide de garder la marque Comanav ou de ne pas la garder, ma foi, c'est sa responsabilité, et il a le droit d'en faire ce qu'il veut à partir du moment où elle lui appartient. Sur la question, dit elle, la réforme des entreprises et établissements publics ou la des établissements et entreprises publiques, c'est une vision de transformation de gouvernance. Ce n'est pas une vision sectorielle. On a estimé, et cela a été validé, comme vous l'avez dit, en très haut lieu, que les établissements publics qui font du business n'ont pas vocation à rester sous la forme d'établissement public. Je rappelle qu'un établissement public n'est pas une société. C'est une structure qui est à mi-chemin entre la direction d'un ministère et une entreprise. En réalité, pour moi, c'est la direction d'un ministère, c'est une direction autonome. Sibrada a été ministre des Finances, il connaît toutes les possibilités de libérer, disons, les contraintes, de libérer des contraintes budgétaires certaines parties des départements. C'est une manière de les libérer. Mais ce n'est pas une société, un établissement public, c'est un établissement public. Il y a un directeur général qui est nommé, ou à l'époque, ils étaient nommés par Dahir, maintenant ils sont nommés en conseil de gouvernement, ils sont sous tutelle. Donc aujourd'hui, ce qui a été vu, c'est que la partie commerciale de ces entités n'est pas, la meilleure manière de la développer n'est pas de les garder sous forme d'établissement public. Donc je pense que c'est surtout ça l'esprit de la réforme. Et non pas d'assurer la souveraineté par cette transformation, etc. La souveraineté, elle se gère au niveau de l'État. Voilà, donc simplement sur la question. Maintenant, sur le transport touristique. D'abord, merci de reconnaître que la subvention carburant a pu calmer les esprits, qu'on a pu continuer à travailler. Vous parlez de problèmes de friction, grand taxi, transporteur touristique. Bon, ça c'est... C'est un sujet qui existe effectivement, mais il est inhérent à la structure de la mobilité dans nos sociétés. Et donc, en revoyant le système de mobilité, ça pourrait évoluer. Vous avez parlé du Dahel 63 avec les 7 années. Ben oui, effectivement, si on a une nouvelle vision sur la mobilité, ça devra faire l'objet d'une loi de la mobilité. Cette loi de la mobilité reverra la manière dont le transport existe, cahier des charges, etc. Mais vous avez parlé de la rame. Vous avez dit, quand va-t-on enfin la privatiser et quand va-t-on enfin permettre une gouvernance plus efficace pour pouvoir faire éthiopienne ou faire turkish? Bon, d'abord, d'une part, je ne suis pas certain que ce soit parce que c'est privé qu'ils aient fait éthiopienne et turkish, et d'ailleurs éthiopienne et turkish ne sont pas privés. D'une part. D'autre part, vous avez dit on était prêt pour partir sur 120 appareils. C'était une vision stratégique avant Covid. Il est légitime, quand il y a une crise comme celle du Covid, de revoir ses ambitions stratégiques. Donc la Royal Air Maroc, face à la crise, a d'abord fait ce qu'il fallait faire pour survivre. Elle a replié un peu ses ailes. Elle a vendu quelques appareils. Elle a permis à certaines personnes qui l'ont souhaité de partir en pré-retraite pour réduire sa masse, et aujourd'hui, elle doit recréer son modèle. Et donc, on est dans une logique de recréation du modèle. Ah oui, peut-être qu'on en a poussé quelques-uns dehors aussi. Ok. Bon, ouais, mais ça, Certes, ça arrive toujours dans les opérations de départ. Ouais, ça arrive toujours. Mais elles ne sont pas perdues pour tout le pays. Elles peuvent être perdues pour la Royale, mais pas pour le pays. Pour la partie transport maritime, quid du pavillon national? Voilà, ça, c'est une excellente question. D'abord,
c'est quoi le pavillon national ? Il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est une entreprise dont les navires sont sous pavillon national ? Est-ce que c'est une entreprise dont les actionnaires sont des nationaux ? Ou est-ce que c'est les deux ? À cette réponse, à cette question, moi, je n'ai pas de réponse très claire. Le pavillon national, de manière légale, c'est la nationalité du navire. Nationalité du navire, il est immatriculé. Est-ce que c'est important d'avoir des navires immatriculés pour l'image ? Certainement. Pour des situations extrêmes, ça peut être utile. Maintenant, comment est-ce qu'on construit un pavillon national ? Est-ce qu'on le construit à coup d'argent public ou est-ce qu'on crée les conditions pour que le privé le développe ? À titre personnel et en tant que ministre, avec la petite expérience que j'ai eue dans ma vie professionnelle, je pense que c'est la deuxième option qui est la meilleure. Je pense que ce business, c'est un business privé. Ce n'est pas un business public. Vous avez d'ailleurs parlé des grandes compagnies mondiales aujourd'hui de conteneurs. Elles sont toutes privées. Jamais une compagnie publique ne pourra les concurrencer, pour des raisons évidentes de gouvernance, et de comment on appelle ça, de souplesse, de réactivité, etc. Alors, il y a des compagnies qui ont disparu. Effectivement, IMTC a disparu, Comarship a disparu, vous n'avez pas voulu raconter d'histoire, mais je peux vous dire rapidement aux gens qui sont à la salle pourquoi IMTC a disparu, à ma connaissance. IMTC a disparu parce qu'ils ont fait un mauvais choix à un moment donné, tout simplement. Commandant Kari Allah Rahman a acheté 4 navires qui valaient 300 millions de dirhams, chacun, avant la crise de Lehman Brothers. Mauvaise pioche. Et c'est son banquier qui lui a proposé de les prendre. Je ne dirai pas le nom du banquier. Comarit a racheté la flotte de Comanav sans être capable de l'avaler. Marfocéan, l'OCP a décidé de ne plus transporter. Parce que justement, il partait et revenait à vide. Et donc il pouvait acheter son transport mieux en faisant appel au marché international. Donc, oui, pour un pavillon national, mais un pavillon national, pour qu'il existe, il faut que l'État s'interdise d'exiger des choses de lui, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un acteur économique, international, qui ait exactement les mêmes, les mêmes avantages que tous ces acteurs internationaux. Rien aujourd'hui n'empêche la naissance d'un Arcas au Maroc. Vous avez parlé d'Arcas. Rien ne l'empêche. Alors, peut-on l'encourager ? C'est une bonne question. Oui, probablement. À quel effet ? Et dans quel but ? Ça aussi, c'est une bonne question. Parce que moi, j'entends quelque chose en arrière-plan. J'entends le conteneur, maintenant, il coûte 20 000 dollars. Il ne coûtait que 2 000 dollars. Et donc, j'entends derrière, si on avait la Comanav, il ferait 2 000 dollars. Eh bien oui, si on avait décidé de la tuer, bien sûr. Il y a des cycles économiques. Et les cycles économiques sont connus. Les compagnies maritimes, elles ont bu la tasse pendant 10 ans, pour utiliser un truc un peu imagé. Elles ont vendu à 500 dollars du fret de Shanghai à Casa. Vous imaginez un peu ce qu'on est en train de dire là ou quoi ? D'ailleurs, pour transporter un conteneur de Shanghai à Casa, ils le vendaient 500 dollars. Combien coûte le transport d'un conteneur de Tanger à Agadir ? 800 dollars. Vous pensez qu'avec 500 dollars, ils gagnaient de l'argent, les gars ? Donc, ils ont bu la tasse pendant 10 ans. On est passé d'une structure de marché de 20 compagnies qui trustaient 80% du transport conteneurisé à une structure de marché où 5 compagnies, vous avez oublié les Chinois tout à l'heure, hein, voilà, vous les avez oubliés, où 5 compagnies trustent 80% du marché. Est-ce que cela fait d'eux un oligopole ? Oui. Est-ce qu'il y a entente oligopolistique
Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas le dire. Il y a, à minima, trois grandes, quand je parlais de conseil de la concurrence, trois grandes organisations qui surveillent la concurrence du transport maritime, qui relèvent des États-Unis, de la Chine et de l'Europe. Et ces gens-là, aujourd'hui, les Américains n'ont pas de pavillon. Alors, vous pouvez me dire, ils ont un accord avec Maersk. OK, mais ils n'ont pas. Donc, aujourd'hui, le Maroc, de toute façon, n'a pas les moyens de dénoncer cet oligopole tout seul. C'est impossible. Cet oligopole doit être dénoncé par les chargeurs dans les grands États, notamment aux États-Unis, en Europe, là où, enfin, quand je dis les puissances en fait, économiques. Et ces dénonciations vont être étudiées, elles vont être analysées, et on va voir. Si jamais ces gens-là ont, fauté, malheureusement, ils vont être pénalisés, ça bénéficiera qu'aux autres, et nous, on aura payé. Donc oui, il y a des problématiques, mais ce sont des problématiques qui sont liées à la mondialisation des économies. Est-ce qu'on peut faire des choses? Oui, on peut faire des choses. Il faut qu'on s'assure qu'on ait des solutions, que nous ayons des solutions alternatives. Les solutions alternatives, c'est nous assurer, par exemple, que notre marchandise peut traverser le détroit, aller en Europe et bénéficier du fret européen. Il a brechi wahli tadda alik fil maghrib. De toute façon, il suffit que tu traverses et puis tu seras de l'autre côté. C'est le terrestre vers l'Afrique. C'est éventuellement, s'il y a un problème au niveau de l'Afrique, comment, s'il y a un problème terrestre, comment est-ce qu'on bypass le terrestre? Pour cela, vous savez comme moi que le bypass du terrestre existe déjà aujourd'hui. 40% des conteneurs qui vont en Afrique, 40% des conteneurs qui sont traités à Tanger Méditerranée en transbordement vont en Afrique. Ils viennent du reste du monde. Donc ce ne sont pas des conteneurs marocains, ils viennent du reste du monde. Mais à partir du moment où vous avez la connexion, quand on dit que le Maroc est le pays le mieux connecté, parmi les six pays les mieux connectés en termes conteneurisés, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on veut aller vers les marchés mondiaux, eh bien, on a une plateforme qui s'appelle Tanger Méditerranée qu'on peut utiliser. Ça ne règle pas les problèmes des artisans qui ont besoin d'envoyer ça dans un avion, c'est très cher. Ça ne règle pas les problèmes d'autres petits exportateurs. Mais pour les grands exportateurs, c'est une aubaine. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui des industriels qui viennent s'installer à Tanger Méditerranée. C'est parce que depuis Tanger Méditerranée, avec leurs produits, ils sont capables d'arroser le reste du monde. Donc, vous parliez de politique tarifaire, vous dites qu'on peut subventionner l'export, bien sûr qu'on peut subventionner l'export, de mille manières. Le Maroc subventionne l'export dans les zones franches d'exportation. Est-ce qu'on peut subventionner le prix du transport à l'export? Ce serait une autre forme de subvention, mais à la rigueur, à partir du moment où on subventionne l'export dans les plateformes, dans les plateformes d'exportation, il faut voir comment aider les exportateurs, mais pas forcément sur le transport, parce que le transport, de toute façon, c'est un marché international. Les prix ne sont pas fixés par le Maroc, ils sont fixés par les bourses de fret. Après, le prix de la misophobe, vous avez dit la misophobe. La misophobe, on pourrait baisser les prix. C'est vrai qu'on est beaucoup plus cher que la Tunisie. Et c'est vrai que, par contre, le prix du conteneur arrivé au Maroc, depuis Shanghai, est beaucoup moins cher à Casablanca qu'à Tunis. Non, à l'export aussi. Idem. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison qui est très simple. C'est que les Tunisiens, avec tout le respect que j'ai pour mes amis tunisiens, ils ont un énorme problème portuaire. Ils ont un port qui est hyper congestionné. Vous regarderez les files d'attente des porte-conteneurs à l'extérieur de Tunis et vous regarderez au Maroc. Lorsqu'un bateau attend 3 jours avant de rentrer à Tunis, au Maroc, il attend 3 heures. Vous ne croyez pas que ça se voit dans son prix de fret? Donc en réalité, il ne faut pas regarder le prix à FOB. Moi, je ne veux pas regarder la misophobe. Je peux même mettre une misophobe à zéro. Si mon fret est multiplié par 2 avec une misophobe à zéro, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut comparer toute la chaîne. On est en train de parler de logistique. Il faut comparer toute la chaîne. Moi, j'avais fait cette comparaison en 2013 et j'avais vu que Tunis était beaucoup moins cher dans la misophobe. En revanche, j'avais vérifié les imports et les exports sur Internet avec la plateforme Maersk et on était bien moins cher qu'eux. On était d'ailleurs moins cher qu'Izmir. Pour vous dire, c'était un petit peu particulier.
Sur les visas, vous touchez un sujet qui est un sujet de diplomatie sur lequel le Maroc essaye d'intervenir avec ses partenaires. On fait de notre mieux. Les problèmes de visa que nous avons pour les transporteurs ne sont pas orientés transporteurs. Ce sont des problèmes de visa que nous avons pour tout le monde. Il y a des citoyens marocains qui avaient l'habitude d'aller rendre visite à leur famille en France, qui ont des difficultés pour y arriver aujourd'hui. Bien, ma foi, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils demandent un visa en Espagne et puis ils partent en France avec leur visa espagnol. J'espère que ces relations vont s'améliorer et que cette difficulté qui est née depuis peu ben, pourra disparaître aussi. Voilà, j'ai touché l'Afrique. Je pense que j'ai donné un élément de réponse. Je crois que j'ai... Alors, un dernier tour de piste. Merci, monsieur le ministre. Alors, comme on l'a promis, un dernier tour de piste, si Jawad, Madame Hassania Sharqawi, une personne derrière, je crois que... Jawad Kardoudi, président de l'IMRI. Je voudrais, on a parlé du maritime, on a parlé du terrestre, je voudrais qu'on parle du ferroviaire. Alors, concernant la ligne de grande vitesse Tanger-Casablanca, je pense que tout le monde est heureux et satisfait de cette ligne. Maintenant, est-ce que des études ont été faites jusqu'à maintenant concernant sa rentabilité ? Parce que je pense que ça, c'est un problème important. Et ma deuxième question, toujours dans le ferroviaire, à quand la ligne Casablanca-Marrakech-Agadir au niveau de la ligne de grande vitesse? Et est-ce que votre ministère envisage d'autres lignes ferroviaires, mais pas sous forme de lignes à grande vitesse, c'est-à-dire des lignes toutes simples? Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le ministre, je suis vraiment heureuse de vous voir et de vous rencontrer pour parler d'un problème que vous connaissez énormément. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Mais vous reconnaissez, et je sais que vous le savez, le développement de cargo battant pavillon marocain, après on discutera ce que c'est qu'un pavillon marocain, permettrait de réduire l'énorme quantité de devises étrangères dépensés par le gouvernement pour le transport maritime, limiterait la pression des compagnies maritimes étrangères et l'exposition des nationaux aux augmentations des taux de fret et aux surtaxes, et fournirait un outil pour la sécurité économique à long terme pour le pays. Ok, je sais qu'il y a une concurrence, ces gros cargos porte-conteneurs, on est d'accord. Mais la concurrence existe, n'existe pas dans les conventionnels. Elle n'existe pas dans le vrac. Oui, pourquoi le Maroc, et je dis bien l'État marocain et non le privé, puisque le privé, de toute façon, moi je parle du Maroc, de la nation, du gouvernement, de l'État. Pourquoi l'État ne ferait pas un petit effort de développer une flotte de cargo, une flotte de vrac? Parce qu'on en a besoin, on fait des exportations, le bois, les engrais, tout ce qui est vrac, monsieur le ministre. On peut faire ça et il n'y a aucune concurrence avec les autres. Et au moins, on pourra se développer sur le plan maritime, parce que nous sommes un pays maritime. Et après, on verra. Je voudrais votre avis, monsieur le ministre. Monsieur Madih Jalil, je suis transporteur touristique, opérateur touristique et spécialisé dans le domaine de la croisière. Donc nous gérons à peu près 90% des armateurs qui font escale au Maroc. Nous sommes très heureux d'avoir, un nouveau terminal croisière qui est tout flambant neuf à Casablanca après la réalisation du magnifique projet de Tanger. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans le domaine de la croisière au Maroc, tout en étant opérateur touristique. Et je peux vous dire, vu la dernière programmation que j'ai reçue il y a quelques semaines d'armateurs, que ce soit MSC, CoStar, World Caribbean, Celebrity, le Maroc revient en force comme port d'escale pour le Maroc.
Maintenant, c'est Chérif Alami, mon collègue et ami, a levé un problème de transporteur touristique. Vous savez, quand un paquebot arrive, nous avons besoin d'énormément d'autocars. Nous aurons des journées l'année prochaine à Casa où nous aurons jusqu'à 12 000 personnes en une journée. C'est programmé. Donc, nous avons la problématique de l'autocar. 60% de ces passagers restent dans la ville où le paquebot fait escale et nous sommes appelés à utiliser des autocars de grand luxe dont les caractéristiques sont les mêmes pour le même passager qui va aller faire une escale à Marrakech ou Agadir ou Fès ou autre. Notre problématique, c'est que nous sommes dans l'obligation d'utiliser des autocars de grand luxe, comme vous le savez très bien, qui sont requis par la loi, pour faire des petits tours dans une ville comme Tanger, Casablanca ou Agadir de 2 heures. Le passager reste plus d'une heure et demie. C'est comme si cela valait dire à une compagnie aérienne de devoir acheter des Dreamliner 777 ou des Airbus A380 pour faire du Casa Tanger ou du Casa Agadir. Exactement, en plus. Donc cela, c'est un couteau à double tranchant parce que d'abord, en haute saison, nous ne trouvons pas assez d'autocars pour gérer ces masses de croisiéristes qui débarquent dans nos ports et nous empiétons sur les gens qui ont besoin d'autocars pour faire des circuits Ville Impériale Grand Sud et nous sommes vraiment... Nous n'arrivons pas à délivrer des services qui sont à l'expectation des armateurs. Ma question est-ce qu'on pourrait éventuellement, dans un futur proche, parce que le Maroc est revenu, je vous le dis encore une fois, très en force, et il y a des centaines d'escales qui sont prévues en 2023 et en 2024 par tous les armateurs mondiaux, d'essayer de trouver une législation qui nous permettrait d'avoir des autocars de tourisme dédiés à ce secteur-là. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre attention et pour votre présence. Bonjour. Alors, je suis Red Al-Faqer, directeur partenariat à Freterium, une start-up marocaine spécialisée dans les TMS. Monsieur le ministre, le rapport de la Commission sur le modèle de développement, sur la partie logistique, il a parlé de certaines recommandations, notamment la mise en place des solutions digitales multifonctions, soutenir les start-up marocaines innovantes et offrir des services digitaux pour intégrer d'un côté les petits acteurs et structurer davantage les grands acteurs. Alors ma question, Monsieur le ministre, c'est par rapport à votre plan, sinon votre vision, pour cet accompagnement et cette transformation digitale des acteurs, c'est-à-dire pour vous, comment on peut faire aujourd'hui de la technologie un moyen de compétitivité logistique nationale. Mais bien sûr, quand on parle technologie, on parle en parallèle, comme a dit nos professeurs, la mise à niveau des ressources humaines pour avoir des acteurs, entre parenthèses, performants. Ma deuxième et dernière question, c'est par rapport au modèle de partenariat. Je sais que vous avez assisté dernièrement à une conférence organisée avec un pays partenaire qui est un pays modèle dans la connexion start-up Israël. Okay. Donc, c'est un pays modèle dans la connexion start-up grande boîte et gouvernement. Oui, bien sûr. Même quand on dit un pays partenaire, donc c'est un joli mot aussi. Yac. Donc, pour vous, comment vous envisagez ce modèle de partenariat entre l'université qui est la référence recherche et développement, les start-up connues par leur innovation et agilité, et sur l'autre côté, les grandes entreprises et le gouvernement bien sûr volontariste qui veut améliorer la compétitivité logistique et faire du Maroc un pays émergent. Merci. Donc, Mohamed Qaisar, capitaine Oulancourt, secrétaire général du syndicat national des officiers de la marine marchande. Donc, je voudrais revenir avec monsieur le ministre sur le code maritime de 1919. Vous croyez, monsieur, avec des conditions juridiques qui datent d'un siècle, le secteur maritime pourrait avancer. Je vous rappelle de la citation de Sa Majesté Hassan II. Il a dit « Toutefois, une nation tourne le dos à la mer, cela se traduit par un repli sur soi-même ». Je vous rappelle aussi du code d'investissement de 1990 qui a encouragé le secteur privé à investir dans le domaine maritime. Je pense, monsieur le ministre, que l'État marocain a besoin d'une audace politique pour pouvoir développer le secteur maritime. Et ma question, pourriez-vous nous parler de la stratégie du Maroc
en matière de transport maritime et non pas en matière de domaine portuaire, parce qu'elle relève du ministère de l'équipement. Et merci. Merci. Alors, c'était la dernière question parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce n'est pas que j'ai clos par anticipation la liste, mais je crois que la salle a bien... Effectivement, il y a eu suffisamment de questions qui ont embrassé tous les sujets. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci. Claudodi, merci pour la question d'Yel le rail, TGV, rentabilité. Alors, ça dépend ce qu'on entend par rentabilité du rail. Si on entend par rentabilité du rail la rentabilité économique, avec toutes les externalités négatives de la route, avec le gain en termes de temps gagné, etc., etc., bien entendu, il y a une rentabilité économique à un niveau suffisant pour que les bailleurs de fonds y croient, puisque ça a été financé. Donc, normalement, la preuve de la rentabilité économique, c'est le fait que les bailleurs de fonds internationaux aient accepté de mettre de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est rentable et financièrement ? Genre, est-ce que l'ONCF, si on lui demande de financer et l'infra, et les locomotives, enfin les voitures, enfin et l'exploitation ? Est-ce que c'est rentable financièrement pour une entreprise ? La réponse est non. Et cette réponse, c'est non partout dans le monde. Ce n'est pas non qu'au Maroc. En fait, pour faire simple, hors infrastructure, la ligne de TGV est rentable financièrement pour la société. C'est-à-dire que lorsqu'un État construit la voie, s'il fait un appel à concurrence sur une ligne Tanger Rabat, il peut obtenir une offre pour quelqu'un qui va venir mettre les wagons, exploiter la ligne et ne pas lui demander d'argent ou presque. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est à peu près ça le modèle. Alors, quand Casa-Marrakech, ou plus, Agadir, je vais vous faire une réponse de Normand, quand j'aurai l'argent. En fait, la problématique de cet investissement, c'est que les calculs économiques sont faits. Il y a un équilibre économique pour ce genre d'investissement. Cet équilibre économique devient de plus en plus prononcé lorsque le prix du pétrole augmente et lorsque le prix de l'électricité baisse. Ça fait encore plus de sens. Maintenant, il faut pouvoir le financer. C'est pas parce que c'est rentable économiquement qu'on est capable de mobiliser le financement. Et après, pour les financements, comme je vous l'ai dit, comme c'est l'État qui doit supporter le coût de l'infrastructure, ce sont des arbitrages pour le financement. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État marocain, sont dans le chantier de l'élargissement de la couverture sociale. Ça prend une grosse partie du budget de l'État. On a en plus à faire face à toutes les problématiques que vous connaissez, qui sont liées au renchérissement du prix des pétroles, mais pas que. Et donc, pour le moment, moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu l'ouverture. Mais dès que je la verrai, j'y entrerai. Est-ce que le plan rail 2040 prévoit du non-grande vitesse ? Bien sûr. En fait, le plan rail 2040, il voit la grande vitesse uniquement entre les pôles urbains où il y a beaucoup de monde, parce que là, ça fait du sens. Ensuite, c'est une logique en fait en hub and spoke, c'est-à-dire qu'il y a des logiques de plateforme à partir desquelles on veut développer du transport en commun par voie ferrée. C'est coûteux quand on le regarde, c'est vrai, c'est très cher, c'est plusieurs centaines de milliards de dirhams, mais la réalité c'est qu'on doit réellement réfléchir à notre futur en termes de mobilité. Parce qu'on le voit aujourd'hui, quand on est sur l'autoroute Casablanca-Rabat, Casablanca-Rabat est déjà saturée. Elle est saturée même numériquement. Quand on calcule, on arrive à 50 000 véhicules jour. En général, les autoroutes saturent autour de 30-35 à 3 voies.
Donc en fait, il y a des sujets, il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre d'accord, nous les Marocains, sur le futur de la mobilité qu'on veut pour notre pays. Est-ce qu'on veut une mobilité, tout le monde a sa voiture individuelle, ou bien est-ce qu'on veut favoriser le transport en commun, est-ce qu'on veut favoriser les transports électriques, est-ce qu'on veut favoriser le transport ferroviaire, etc., etc. Et donc cette vision qui doit être réfléchie, partagée, c'est elle qui nous permettra de savoir comment on va développer notre réseau de transport dans le futur. Madame Hassania, je sais que vous avez à cœur le pavillon national, et je comprends tout à fait. Vous me dites pourquoi on ne peut pas développer une compagnie publique ou parapublique qui va s'occuper de transporter les grands vracs du Maroc, vu que ce sont nos vracs et que donc on ne sera pas en concurrence. En fait, vous êtes en train de parler de refaire Marfocéan, par exemple. Bah, il faut demander ça à l'OCP en vérité. Il faut leur demander pourquoi ils sont sortis. Moi, je vais vous dire à mon avis pourquoi ça ne marche pas. Parce que je pense que ça ne marche pas. Parce que je pense que cette entreprise publique sera plus coûteuse pour l'économie nationale que de faire appel au marché international. C'est mon point de vue. C'est une question d'économie d'échelle. C'est une question de taux de remplissage et d'économie d'échelle qui font que même si on le fait, ça risque de nous coûter plus cher que si on fait appel au marché international. Et il y a un risque, effectivement, c'est vrai, ça a été dit. Vous pouvez vous retrouver à un moment donné mis sous pression par les opérateurs. Et bon, c'est un risque qu'il faut prendre et qui est pris par un grand nombre de pays. Et vous savez comme moi que quand on a vraiment besoin de quelque chose et qu'on a besoin d'aller louer un bateau, ben on sait le louer, on arrive à le louer pour faire face à une situation de crise. Ceci étant dit, si des opérateurs privés voient à un moment donné un intérêt pour se lancer dans ce business, de la même manière que les Marocains se lancent dans la promotion immobilière, les Grecs se sont beaucoup lancés dans l'armement, on n'a pas encore Monsieur Armement au Maroc qui ait fait une belle opération, mais ça ne veut pas dire qu'il arrivera jamais. Alors pour l'histoire des autocars, pour la croisière. D'abord, je suis très heureux d'entendre que vos plans de croisière sont bons, c'est fabuleux. Je n'ai pas très bien compris. Je crois avoir compris qu'en en fait, on est exigeant en termes de transport, en termes de qualité. Je ne connais pas l'histoire, mais je ne serais pas surpris que ce soit les opérateurs du tourisme qui aient exigé cela, à un moment ou à un autre, qui en aient fait la demande, pour... Moi, je vous tarif. Mais ils peuvent faire un temps pour préserver l'image. Pour que ce sائح qui arrive, il monte dans un car bien et ça et ça. Maintenant, peut-être que ça ne répond plus aux besoins du croisiériste d'aujourd'hui. C'est possible. Venez en parler avec nous. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. S'il existe une solution qui est meilleure pour la croisière, on l'étudie et on essaie de trouver une solution. Alors, digital, qui est un start-up, tout ça, je suis très content que vous en parliez. D'abord, comprenez bien, moi je vais être un consommateur du digital en tant que ministre. Je ne suis pas un ministre du digital. Il y a une ministre du digital, Mme Ritem Zour, elle a justement accompagné, enfin, déployé la politique de la transition digitale. Nous, au Maroc, au ministère du Transport, on est attentif à ce qui se fait, aux solutions qui se développent. Et je ne sais pas encore comment ouvrir le ministère à cette grande famille des start-up, des innovateurs, etc. Et donc, il faut qu'on y réfléchisse. Et si vous avez des idées pour nous, nous, on est prêts à créer une plateforme pour rencontrer les jeunes qui ont envie de faire des choses sur le transport. Parce qu'effectivement, c'est un secteur où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et vous savez, le transport, c'est amusant. On transporte, on déplace des gens, on déplace de la marchandise et on déplace beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui est déplacée. Et c'est là que le digital peut être vraiment un outil de développement très puissant. Donc, je vous invite à nous saisir pour qu'on puisse trouver la solution. L'an 1919, c'est sûr que c'est un peu ancien. Oui, on est d'accord.
Bon, maintenant, il y a besoin d'audace, oui, probablement, pour développer le secteur maritime. Moi, je vous dis, je crois fermement que le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions du développement. C'est pas de développer, c'est de créer les conditions du développement. Créer les conditions du développement, une partie, c'est de revoir le code. Et ce travail-là, il est en cours. Il n'est pas abouti, il est en cours. Ça fera probablement partie des choses qui seront, je l'espère, présentées pendant la législature. Quelle stratégie du Maroc en termes de transport maritime? Écoutez, pour faire simple, pour moi, sur le sujet de la souveraineté maritime, je vois surtout en priorité. La souveraineté maritime, en priorité, s'exerce au niveau de ses ports. En deuxième priorité, elle s'exerce au niveau du détroit. En troisième priorité, elle s'exerce sur le transport international. Nam? Hein. Ne pas rallier ses ports. Mais s'ils décident de vous les fermer, vous pouvez avoir tous les bateaux du monde. S'ils ne veulent pas que vous rentriez, vous ne rentrerez pas non plus. Donc ça revient au même. Vous comprenez? Moi, lorsque un bateau espagnol me dit je ne veux pas transporter des Marocains, si c'est ça dont vous parlez, ben, ça veut dire aussi que l'Espagne peut te dire mais mes ports, tu n'y entres plus. Voyez-vous? C'est la même chose. Donc là, il faut pas faire des... Il faut regarder plus large. Il faut pas regarder juste avec... Donc oui, on va travailler. Il faut qu'on travaille pour revoir le code, pour permettre à des opérateurs de s'intéresser au transport maritime et pourquoi pas créer les conditions pour la naissance d'un opérateur de transport maritime marocain solide à l'avenir, bien sûr. Voilà, merci. Oui. Alors, merci le ministre. Je crois que vous n'avez esquivé aucune question. Vous avez répondu à tout. On vous remercie. Avant de conclure, je donnerai la parole à Sebrada, président de la Fondation Lix, pour un mot de clôture. Non, mais bon, c'est une minute. Bon, une question de 10 secondes. Très bien. Et la rapide. Ouais, bon. Ouais. Alors, je suis Mounir Chami, transporteur touristique terrestre, président de l'organisation marocaine des transports routiers. Monsieur le ministre, aujourd'hui, plusieurs partenaires nous demandent d'être équipés avec des véhicules électriques, écologiques, pour répondre aux besoins de leurs clients, qui sont peut-être écologiques ou sensibles à la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que le ministère aujourd'hui a pensé d'homologuer des véhicules électriques écologiques pour notre secteur de transport touristique? Si oui, est-ce qu'il y a un plan ou bien une aide étatique pour supporter les coûts parce qu'ils sont très chers? Merci. Très bien. Alors, je crois que c'est vraiment la dernière question qui a été sollicitée par la salle. Bon, très bien. Le côté environnemental, on ne l'avait pas traité. Le transport électrique. Alors, sur le transport électrique, je sais qu'il y a déjà des incentives. Il y a déjà des incentives au niveau de la vignette, etc. Il y a des exonérations qui sont déjà données. Est-ce que le Maroc compte mettre en place des bonus pour inciter au passage du véhicule non électrique au véhicule électrique? Ce n'est pas d'actualité. Je n'ai pas l'information. Donc, c'est ni non, ni oui. Donc, peut-être. Voilà. L'exigence. Vous savez, le problème d'y aller le CO2, c'est qu'on le prend uniquement par la transformation du véhicule de carburant à électrique. Les Allemands, ils le regardent différemment. Je trouve que c'est une très bonne approche. Ils appellent ça ASI, Avoid, Shift, Improve. D'abord, comment on fait pour éviter le déplacement? Ensuite, comment on fait pour passer d'un déplacement où on est à 1,3 personnes par voiture à des déplacements où on est dans des autocars, dans des bus ou dans des voitures, mais en transport partagé? Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour que les véhicules que nous utilisons soient moins gourmands en CO2? Et moins. Donc,
Je peux comprendre que les touristes soient très sensibles à ce sujet-là. Ça peut être un sujet pour le transport touristique en particulier. On est prêt à en discuter. Mais pour le moment, il n'y a rien qui soit prévu pour le véhicule électrique tout de suite. Voilà, merci. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Je crois que le compte est bon. Alors, je vous donnerai la parole, Sebrada, pour un mot de clôture. Merci. Sidi Mohamed, je voudrais franchement te remercier d'avoir accepté d'animer ce débat, cet échange, parce que c'est par l'échange qu'on s'enrichit. Tu as été extra. On sait que vraiment, tu es un professionnel dans le métier. Et un métier qui est en fait un métier, encore, je le répète, complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Mais complexe dans la mesure où ce domaine dépend d'une multitude de facteurs, de services, de ministères, etc. Problème du transport, on le trouve partout, tu l'as dit. Il est à la fois un coût, mais aussi une opportunité. Et nous vivons une période difficile, et cela depuis déjà 3 ans. Et nous vivons une crise sanitaire, mais qui a des effets économiques. Ce n'est pas une crise économique ou financière, c'est une crise sanitaire. Et ces effets économiques, c'est tout simplement le fait que les entreprises ont été obligées de rentrer, elles ont été fermées. Et c'est une crise d'offre que nous avons vécue, ça veut dire coupure de la production. Et quand il y a la coupure de la production, il y a des problèmes de transport. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, le problème du transport, qu'il soit aérien ou maritime, ça dépend des quantités. Pourquoi ? Parce que la part des charges fixes dans le transport est énorme. Et s'il n'y a pas de quantité très importante, si les coûts ont flambé, le conteneur, on le sait, c'est 1 200 $ de Shanghai parfois c'est 15 000, ça dépend. Mais c'est incroyable, c'est 15 000 dollars. Mais le problème, c'est la répercussion de la part des charges fixes dans les compagnies, parce que les quantités ont diminué à cause du confinement. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas uniquement le transport. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de marchandises. Il y a beaucoup de ruptures de marchandises dans beaucoup de secteurs, ce qui fait que le transport est un des éléments fondamentaux. Parler de Royal Air Maroc, ça fait déjà 16 ans que je l'ai quitté, mais là, il y a l'environnement qui est difficile, incontestablement, et je ne veux pas être... Heureusement que je suis parti d'ailleurs, parce que ce que vit la Royal Air Maroc depuis 3 ans, ce n'est pas facile. Mais j'ai vécu aussi, à l'époque, des problèmes difficiles avec les 2 tours américaines qui ont fait que l'aérien a subi un choc monumental. Mais j'ai profité de l'occasion parce que parmi les enseignements qu'on donne en matière de gestion, chaque menace comprend aussi des opportunités. Menace et opportunité, je le dis, ce sont les 2 faces de la même pièce de monnaie. Et par conséquent, je saisis cette opportunité du fait que beaucoup de compagnies, d'État, Airlines, etc., étaient en difficulté. Et je me suis mis à investir et à acheter des avions. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire économique, j'ai enseigné l'histoire ici pendant 40 années, l'histoire économique, ben on sait que toute la vie économique depuis je sais pas, 4-5 siècles, est ponctuée par des cycles. Et après la crise, nous savons qu'il y aura la reprise, parce que la crise permet de nettoyer le marché et de permettre aux entreprises qui savent saisir des opportunités pour pouvoir se relancer, pour pouvoir justement repartir. Alors, on a acheté énormément d'avions, mais ce n'est pas uniquement ça qui a permis à la RAM de rebondir. C'est que Royal Air Maroc était sur un modèle qui était classique, c'est-à-dire Maroc-France, et on prend les gens pour aller en France, pour aller dans d'autres pays, c'est-à-dire en réalité, on servait la France pour que la France devienne un pôle de redépart partout ailleurs. Finalement, on a dit, on va prendre la place d'Air France sur le marché africain. Et je crois que ça a été quelque chose de fondamental qui a permis à Royal Air Maroc de remplir ses avions, parce que là aussi, les charges fixes sont énormes. Une compagnie, qu'elle fonctionne ou pas, vous savez, il y a des pilotes qu'il faut payer, même s'ils ne volent pas,
il y a du personnel, il y a des charges fixes considérables, il y a les amortissements des avions, même ce qui ne vole pas. Les charges directes sont une proportion beaucoup plus faible que les charges directes. La conséquence, c'est tout dépend du trafic qu'il y a. Et par conséquent, ce trafic, il faut aller le chercher. Et plus on le cherche, c'est comme ça que Noissar est devenu un pôle, un hub important de trafic, ce qui nous a permis de construire des hôtels. Ouais. Voyez, comme ancien ministre des Finances, j'ai pu avoir les terrains des domaines à 35 dirhams, donc on a construit 2 hôtels, 3 étoiles et 4 étoiles, mais également on a développé le pôle industriel dont tu n'as pas parlé, Karim. Parce que, non, mais le pôle industriel, je parle de tous les investissements que nous avions faits à l'époque pour commencer à amener Boeing, Labinal, etc. Et dernièrement, vous avez signé un accord avec l'industrie aérienne israélienne qui se sont d'une performance extraordinaire. Et Noissal est devenu maintenant très compétitif sur ce plan-là. Lacoste, il faut le visiter. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup, c'est Mohamed, d'avoir accepté l'invitation de la faculté, de rencontrer nos étudiants. Et je pense, au niveau de ton cabinet, ce serait extra pour renforcer cette relation et cette ouverture, c'est que de réfléchir à des sujets de mémoire pour nos étudiants de master. Parce que c'est ça la coopération. S'il y a des étudiants qui peuvent... Ouais, ben voilà. Donc, je m'adresse aux étudiants de master. Il y a ici des thèmes que le ministère peut vous donner sur lesquels réfléchir à des sujets de mémoire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté de...